Thank you.
Et bonsoir tout le monde, j'espère que le stream fonctionne correctement. Et bienvenue au stream du Grand Prix de Bahreïn de la Ligue B. Je serai ce soir en compagnie de Mister Ferroda. Salut à toi. Salut, salut Exco, salut tout le monde, bonsoir. Alors ce Bon, moi soir, on voilà. attend une bonne course là, on est sur une ligue plutôt haut de plateau. On Oui, je espère pense quelque chose de propre. ouais, je pense qu'on va avoir quand même de belles choses au qualif. On va avoir des gros coups de bluff aux essais, comme d'hab. Comme d'hab, La hein, Ligue B, il y a quand même du niveau. ça va rouler avec beaucoup d'essence là, je le sens. Je Alors le sens, dites-nous je le dans sens. les commentaires si le son est bon. Si vous nous entendez bien ou s'il y a quelque chose qu'il faut qu'on change. Je vais te laisser le chat, Ferroda, comme ça, moi ça me permet de garder toute ma bande passante à fin de stream. Au niveau des Ouais, y a pas de retours, il y a souci. eu des sons, etc. Et c'est direct sorti. Je vais essayer de voir qui est sorti directement. Allez, on va prendre la caméra de MT. Je vais réactiver le son parce qu'apparemment personne n'a de son. Et oui. Voilà. Virginie qui est présent sur le live. Je te souhaiterais, si tu le veux bien, nous dire Ah si oui. la balance des sons est correcte. Alors, tu as laissé en fait le tracé du circuit sur la droite du stream. Ouais, c'est volontaire. C'est volontaire, d'accord. Mais il y a une... j'ai même découvert qu'il y avait une carte du circuit. Alors bon, je vais enlever celle de la télémétrie parce que du coup, elle nous sert à rien. Hop, voilà. En tout cas, bonsoir Virginie, bonsoir Napo. Voilà, télémétrie activée. Détail. On va partir sur un détail de meilleur tour. Et des écarts. Ça suffira. Et je vais faire disparaître ce menu très très moche. Allez, on est en onboard avec MT qui est parti directement en pneu dur. Ça part peut-être pour des simulations de longs relais. Je pense pas qu'il va y avoir de la qualification hard ce soir. Ça dirait trop bas sur la Ouais. grille. En tout cas, de mon expérience Ça serait personnelle, horrible. il est vrai que je comptais me qualifier en médium et finalement j'ai vu qu'il y avait à peu près. Les 9 dixièmes du plateau qui se qualifiaient en soft, du coup il a fallu faire un temps en soft. Et du coup il n'y a aucun intérêt à se qualifier dans un pneu plus dur si on est au-dessus de la 11e, au-dessus de la 10e place. Ouais, à moins espérer une safety car à la mi-course, ce qui peut obliger les autres à s'arrêter à un moment et ben, tirer parti pour avoir entre guillemets un arrêt gratuit. Sinon, je pense pas qu'il y aura de safety car ce soir, parce que c'est un circuit où il y a quand même de la place. C'est pas aussi serré qu'à l'Albert Park, donc non, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop, ça sera une course propre, je l'espère. Ouais. Après ce que je disais, voilà, c'est que en tout cas on est sûr que ça va se qualifier en soft au moins pour les 15 premiers. C'est à peu près sûr. Donc
On pourra peut-être voir des stratégies. Oula, Falco qui a directement des bugs de connexion, il va falloir le prévenir. Et ouais, du coup, MT qui part à dérive en sécurité, il va pas prendre des pénalités, c'est normal. Retour en piste peut-être dangereux de la part de MT, qui laisse de la place, c'est bien. Au pilote Red Bull. Bon, moi j'ai vu Dams à la sortie des stands, il a gêné Hervio qui était peut-être déjà directement sur un tour en rouge. Sans faire attention, parce que pourtant elle est assez loin de cette sortie des stands, donc on peut voir les pilotes arriver. Ouais, mais on n'est toujours pas. On n'est pas à l'abri d'avoir un accident Stroll-Hartley, je crois que c'était ces deux-là qui s'étaient rentrés dedans, il me semble, hein, je suis pas sûr. Stroll qui était rentré dans Hartley dans la sortie des stands, il me semble, en Williams. Je suis plus sûr. C'était un accident entre Williams et Toro Rosso, il me semble. Williams qui était en train de Toro Rosso. Mais après les noms des pilotes, je m'en rappelle plus. Mais on n'est pas à l'abri de voir ça. Attention, Chopper. Shipper qui gêne là dans le tour de cette Vettel. Il faut s'écarter, mon garçon. Allez, ça s'écarte pas. Ça bouge pas d'un pouce là. C'est pas très fair play. Et ça annule. Ça annule le tour directement pour cette Vettel qui doit être un petit peu frustré. Pas très sympa de la part du pilote Williams là actuellement. C'est un peu fade. Mais bon, peut-être qu'il l'avait pas vu. Ouais, pour passer suprême. Je suis pas sûr qu'il est. Enfin, j'ai vu son arrière bouger un petit peu. Je pense qu'il a légèrement perdu la voiture à l'entame du dernier secteur. D'accord, ça fait qui était en fin de tour lancé. Une 26.8. Bon, c'est pas. C'est un bon temps en essai au début. Pour un premier tour, en début pour se mettre dans le bain, ça va. Après, on est en XB, on espère passer vers du. À 1.25.7 peut-être, 1 minute 25.7. Ouais, 1.25.7, 1.25.6. Bon, on a peut-être des surprises, hein. Qui sait des surprises. Mais je pense que la barre des 25.0 va être compliquée à aller chercher quand même. Ça, c'est quand même rapide. On ira chercher peut-être cette barre avec Aldiga. Mais en tout cas pas ce soir, je pense, avec Aldiga. Mais en tout cas, il me semble qu'en Lixé, nous ne l'avons pas franchi. Avec Steelwalker, mon coéquipier qui, on sait qu'il a fait une 25.5 je crois, quelque chose du style, je me rappelle plus exactement du temps. Mais ouais, donc peut-être aller chercher même encore plus bas finalement, c'est vrai que si on sait on est à une 25.5, on peut peut-être aller espérer une 25.3. Ouais, c'est pas impossible, ça serait après, un peu performant. Après en Liga, ça ira chercher beaucoup plus hein, j'imagine. On pense totalement à Spadjari ou Virginie qui iront chercher sûrement en dessous des 1.25, des 1.24.5 et 1.24.6 peut-être, c'est faisable. Ouais, ça serait culotté. Ah mais oui, mais culotté. Tu sais, c'est Spadjari, Virginie et Lenny ont quand même des temps qui se rapprochent des F1 eSport hein, et de beaucoup, ouais, hein, ouais. Donc ça, c'est clair. Je trouve pas ça délirant personnellement. Ah si, moi je trouve ça quand même largement incroyable. Ah après oui. C'est incroyable. C'est fou. C'est pas impossible mais c'est incroyable. C'est des aliens hein, c'est vraiment. Pour avoir fait beaucoup d'entraînement avec Spadja ou Virginie dans la session, on n'espérait pas aller les chercher devant, ça c'est sûr. Et Nebu qui a directement abandonné. Ah terrible. Ah, oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour Nebu? Est-ce qu'on a une idée dans quel secteur? Le drapeau jaune qui est parti très très vite, alors ça se trouve Nebu est parti depuis un moment, je ne sais pas. Je viens de le voir. D'accord, en fait Nebu a juste abandonné sans sortir. Bon, alors il est sorti, alors il est. Non, même pas. C'est peut-être qu'il a cassé sur son outlap. Je ne sais pas. Allez, attention, la suprême qui a peut-être fait faire gêner par Strigoon. Allez, Strigoon, il faut se décaler. Voilà, c'est bien. Julien qui est en simulation hard, de même pour Fandaron. Alors, Virginie qui nous dit qu'il se serait peut-être crash sur le long virage à droite à l'entame du dernier secteur. C'est bien celui-là auquel tu penses. Ouais, je pense que c'est pas de la voiture ici. Ah, le droite en mangeant sur le vibreur, ouais. C'est possible, c'est pas impossible. Ouais, c'est pas impossible. Il a perdu l'auto dans le long droit, ouais, c'est ça, d'après Léo. La Red Bull de Axel qui s'entraîne sur des médiums. Les médiums sont très constants sur ce circuit, très très constants. Que tu sois à 10% ou à 80%, on a à peu près la même vitesse. Enfin, 80% j'abuse peut-être un petit peu, mais à 60% en tout cas, on reste dans le. Mais écoute, je te fais pas de mon expérience personnelle après. C'est vrai que moi, les médiums, j'ai fait pas mal de simulations. Je les ai fait tenir pendant 18 tours. Et ouais. C'est des pneus qui, entre le deuxième tour là où les pneus sont chauds et normalement avec la meilleure performance, et le tour où juste avant que je rentre,
il pouvait y avoir seulement que 1 ou 2 dixièmes de différence. On est, je baladais entre du en 1.31.8 constant et ça pouvait penser en 1.32. Alors moi tu vois ce soir je suis pas sûr qu'on verra beaucoup de médiums. Je pense qu'on va surtout voir du rouge, comme tu as dit pour la qualif. Mmh. Notamment du rouge et puis surtout du blanc après. À partir du 8e ou 9e tour, hein, en fonction de l'agressivité des pilotes après. Ouais. Je pense. Et merci à ton à Kikimix pour ton follow. Bienvenue à merci toi. Merci à toi. Et bienvenue du coup. Et des simulations de relais pour Frost également, pour Dams, Xanto, Ramaluki. Là on est vraiment sur une session où les pilotes vont pas chercher à simuler les qualifs. Je pense qu'ils se sont déjà assez entraînés en CLM. On est vraiment dans le s'habituer à avoir des pneus qui sont peut-être un petit peu plus durs et pouvoir optimiser au maximum le rythme de course. Ouais, on a Seb Vettel qui entame son tour, donc là il va essayer d'aller chercher un temps en médium. En médium, je vois pas l'intérêt personnellement, mais bon, pourquoi pas. Ah oui, non, pardon, oui, c'était pas. Le point de corde qui est pas très bien pris là pour Seb Vettel. Excuse-moi, désolé Kitty. Le point de corde qui a pas été très bien pris pour Seb Vettel, il a dû relâcher un petit peu les freins au freinage, c'était pas optimal. Ah, c'est pas terrible là, Seb. Ça commence pas très bien en tout cas. Après il est en RS1 donc c'est pas un temps chrono, donc c'est peut-être pour gérer les pneus facilement. Ou déjà si on n'est pas sur un temps chrono on va pas dire oula attention. C'est dangereux de laisser passer ici là comme ça à l'extérieur. J'aime pas trop ça les gens qui vont hors piste. C'est. Encore une fois on le rappelle hein, les pilotes pas besoin de se mettre dans le bac à gravier, dans l'herbe ou encore en extérieur de piste pour laisser passer les gens, il suffit de le faire sur les lignes droites, mais hors trajectoire. Là en l'occurrence, le circuit se mettre à droite ou alors à gauche dans cette partie du circuit là où on est. Il y a l'art et la manière. Après, sur ce circuit, comme c'est du plat de l'extérieur, le fait de mettre les roues hors de la ligne, ça peut permettre de les chercher peut-être un ou deux dixièmes sur la fin du tour hein, par rapport à une trajectoire vraiment 100% sur le bitume. Mais voilà, faut pas non plus pas la peine de se mettre dans le mur pour laisser passer quelqu'un, ça, c'est plus dangereux qu'autre chose. Damien qui est sur son in-lap qui va rentrer au stand, je pense, il est bas en fuel. Il préserve ses pneus pour voir comment il peut tenir, je pense, en relais de qualif. Parce que là, c'est un circuit assez gourmand en pneus, entre guillemets. Hein. Mais c'est-à-dire que les softs se dégradent très très vite. Et puis quand les softs sont morts, ici, c'est mort. Hein. Honnêtement, on peut perdre, une fois que les softs ont atteint les 70%, on perd entre une seconde et demie et deux secondes de tour par rapport à nos temps initiaux. Autant qu'ils sont stabilisés parce que les softs ont quand même un pic de vitesse assez fou à peu près entre le deuxième et le troisième tour. Après ça se stabilise, mais c'est vrai que par rapport au temps qu'on s'est stabilisé, au bout de 70% ça baisse énormément. Il va falloir faire attention à ça, pas faire d'erreur. Il y a des points qui sont dangereux, par exemple on mettra notamment le dernier virage. Ou si on accélère un petit peu trop fort et des pneus usés, on peut facilement aller se mettre dans le mur. Et si on joue avec des assistances, c'est compliqué d'aller chercher la voiture ici. Je l'ai expérimenté moi-même, c'est pas très agréable. Et là, et Suprême qui se fait gêner par Xanto. Ah là là, messieurs. Aïe. Xanto qui a sûrement pas dû voir Suprême arriver, c'est dommage. C'est dommage. Ah, pourtant, je sais pas si toi tu joues avec le nouveau rétroviseur virtuel. Perso, je trouve assez pratique. Je l'ai essayé. Je trouve que ça, moi perso, ça m'a. Je l'ai essayé. Je l'ai mis 3 minutes pendant les essais libres et ça me faisait une gêne visuelle assez énorme. Et vu que j'ai l'habitude d'utiliser une shortcut pour avoir le rétro arrière que j'ai bind sur une de mes touches de mon volant, c'est vrai que je regarde en arrière quand j'ai besoin de regarder en arrière. La gêne visuelle, parce qu'en plus moi du coup le rétro arrière se met un petit peu en haut, là où normalement il y a pas de mouvement. Et c'est vrai que vu que ça fait à peu près 2 ans que je joue en cockpit, c'est une gêne visuelle. Mais pour si je pense qu'en s'habituant à jouer avec ça, ça peut être une bonne source d'information. Voir vas-y. Moi mon ressenti là depuis sa sortie, depuis que j'ai le jeu, ouais, honnêtement, ça, c'est bizarre au début. Il y a quelque chose qui bouge pas forcément dans le sens de la bagnole devant toi quand tu regardes. C'est vrai que ça peut faire bizarre. Maintenant, une fois que quand tu regardes ton point de corde, tu regardes pas le ciel, quoi. Et la caméra elle est sur le ciel, c'est pas non plus dérangeant. Ouais.
C'est plus dérangeant au cockpit en tout cas, ça je peux te l'assurer. Oui. Après, c'est vrai que ça peut être aussi un outil assez sympa en course par exemple. En course, on est sous pression, on est concentré sur nos lignes. On a un repère visuel, sans forcément penser à appuyer pour regarder derrière. On a une voiture, on voit une monoplace qui se rapproche au fur et à mesure. Et ça peut pousser à se rendre compte qu'on est chassé. Et peut-être réveiller des pilotes qui se seraient un petit peu endormis sur la piste. C'est donc c'est pas délirant. Où on a Max qui rentre au stand ou qui a failli taper la voiture de Fire Ghost. Ouais, oulala, il a failli taper la Mercedes, c'était pas loin. Ouais. Alors tu vois, c'est marrant, il y a deux catégories de pilotes là. Il y a des pilotes qui travaillent sur les longs relais en blanc. Alors là, je pense qu'ils vont se sortir après pour te chausser des pneus plus tendres. À partir de la 8ème place, ouais. Qui sont directement sortis. Sont directement sortis en soft ou en médium pour essayer de taper des gros chronos et aller voir où est-ce qu'ils peuvent aller directement en qualif. Donc c'est intéressant. Il y en a qui jouent peut-être plus sur la durée, sur l'endurance au niveau de la course. Ouais, alors après. Voilà, et Fondaron qui a failli perdre la voiture. Je sais pas si tu as le bug du moteur et Fondaron toi aussi, mais moi je le vois avec le moteur au maximum tout le temps, ce qui est un peu désagréable pour le stream. Ah non, moi je l'ai nickel chrome, j'ai aucun souci pour l'instant. Non, par contre, je pense que ces pneus arrière, ils doivent souffrir, ils doivent être chauds, patate, parce que ça glisse beaucoup. Hop. Alors, Vanto qui ressort et qui chauffe des softs. On va pouvoir aller chercher Vanto, sachant que son collègue Julien Lepers. 26-8 également, resté serré hein, devant pour l'instant. En tout cas, il y a des pilotes qui ont fait, que j'ai vu faire des relais hard depuis le début, vont pas très loin sur leur relais. Je pense notamment à Xanto qui était en relais hard qui est parti. Ouais, Max, Fire Ghost, tout cela ont arrêté. Ils sont pas allés jusqu'au bout, peut-être qu'ils veulent essayer aussi de se mettre un petit peu dans le bain de la qualif aussi, c'est important quand même. On est dans une ligue un peu au-dessus, donc il faut quand même. Quand je dis au-dessus, au niveau du milieu, on est sur la moitié supérieure. Oui. Et c'est vrai qu'il faut quand même s'échauffer pour la qualification. Hein. C'est là où ça se joue pas mal au départ. Hein. Même si on marque les points. C'est pendant la course. Pendant la course, on marque les points. Mais la course, elle commence sur la grille. Et tu commences devant, c'est sûr que c'est plus simple que tu commences. C'est ça. Même si monsieur Damien. Oh, drapeau jaune dans le secteur 2. Attention, qu'est-ce qui est sorti? C'est parti très vite. Ah là là, c'est MT. Dans le secteur 1, MT. Ouais, je suis arrivé sur la caméra. Alors je sais pas qui était dans le secteur 2, mais il est parti. Alors j'arrive pas à voir où situé, parce qu'il est où dans le circuit là? Ah, il est après le flip. Après le. D'accord. Après les premiers enchaînements. Je me demande comment il a pu glisser ici. Bon, écoute, c'est étonnant. Oui, donc comme je disais, Damien et la FIA nous rappellent quand même beaucoup que la course ne joue pas au premier tour. C'est vrai. Après, je trouve quand même aussi personnellement qu'il est important de ne pas prendre trop de retard sur la grille. Et plus de place on gagne, mieux c'est. Mais sans mettre au risque des autres pilotes. On a vu en XC, là, à Bahreïn, notamment, certains pilotes, dont je ne citerai pas le nom, pour les dévisager, qui ont peut-être un peu trop misé sur leur premier virage, espérant gagner des positions et qui finalement pratique un big one, et c'est un petit peu dommage parce que ça ruine la course, ça lui ruine sa course déjà parce que l'aileron part presque à tous les coups, et puis ça peut ruiner la course d'autres gens et puis surtout les courses futures. On parle de bannissement, oui, voilà, de qualification, de points de licence en moins. C'est vrai que c'est jamais agréable de voir que tu as fini une course, que tu t'entraînais pendant 3-4 jours dessus, etc. Tu fais ta course, tu fais une erreur, et puis c'est pas très agréable de voir le lendemain que tu fais que t'es banni de qualification à cause d'une réclamation qui est tout à fait légitime en soi, mais c'est vrai que c'est pas agréable. Non, c'est pas agréable. Bon, attendant, on parle, mais Hervio, 9 tours sur ses softs. Alors on va voir, je pense pour moi il est toujours à l'attaque, ouais, il a mis les pneus, donc on va voir, c'est ce qu'il va tenter le 10ème tour avec les softs. Peut-être que lui il va essayer de prolonger son arrêt, d'overcutter les autres, on va dire. Dans la course, c'est pas impossible. Après, si là il va bien gérer ses softs, ça peut le faire, mais c'est vrai que c'est des pneus qui se cassent vite. Pour tout te dire, j'avais en tout cas personnellement l'intention dans cette course vendredi dernier là de faire médium et d'overcutter les médiums jusqu'au tour 19 et de partir en soft. Ce qui est assez chaud quand même parce qu'on se retrouve avec des pneus à 80% à la fin de chaque relais.
Oui. Alors peut-être est là sa volonté, c'est pas impossible. Mais du coup, il l'aura fait dans l'ordre. Après, faut pas oublier que faire des relais en soft, ça c'est bien. Mais après, il faut aussi se rendre compte que les pneus utilisés en qualification, surtout les softs, ont quand même un certain taux d'usure au début de la course. Hein. Pour les médiums, on partait sur à peu près 5%. Et à la fin, le taux de formation est à peu près sur 7%. Et les softs, on est quand même sur un bon 10-12% d'usure rien qu'au début de la course. Et environ 15% à la fin du tour de formation, parce qu'il faut les faire chauffer ces pneus soft. La fin de température est quand même assez élevée. Donc, c'est bon. Il va falloir faire attention. C'est une question qui se posera pas pour les gens, par exemple, qui vont partir en 11ème place. Parce que, on va pas se mentir, les gens qui, en tout cas à Bahreïn où l'usure est assez compliquée, celui qui va partir en 11ème position sera plus avantagé que celui qui va partir en 10ème position. Les pneus seront plus neufs. Avoir 10% de pneus en moins sur ces pneus, c'est quand même assez, assez avantageux. Il y en a qui vont peut-être aujourd'hui, ce soir en tout cas, viser la 11ème place. Ouais, c'est pas impossible. La 11ème ou la 12ème place, ouais. Ce serait pas impossible. Mais pour ça, il va falloir sortir en soft. En 1:26.682. Premier meilleur temps provisoire de la session, alors que coéquipier Frost, lui, il a coupé au premier secteur. Donc, tour annulé. Et oui, Hervio, il est toujours il commence son 11ème tour sur ses softs. Ah, il va aller jusqu'à la Il va loin, mon petit Hervio là. Il va très très loin. Alors, ça fait pas beaucoup de simulations en médium. Je sais pas si tu pourras le confirmer aussi là, depuis le début de la session, que 4 personnes qui ont chaussé les médiums. C'est ce que je t'ai dit. Moi, je m'attends surtout à du jaune et du pardon, à du blanc, à du rouge, pardon, et du blanc. Là, si on fait le tour des monoplaces, soft, sûr que ce soit le meilleur choix. Soft, hard, soft, soft, soft. Un peu et de médium là, du côté d'Axel en médium. Ouais, ce que je viens de voir, 1:29.839, il améliore sur son troisième tour. Avec des médiums, justement. Ah, il y a beaucoup, très très peu de médiums. Hein. J'ai balayé un petit peu sur le live l'ensemble du peloton, et c'est vrai qu'il y a vraiment, vraiment pas beaucoup de médiums. On verra après une petite safety car autour 15, et puis c'est les médiums assurés. Hein. Donc, oui, c'est ça, exactement. C'est sûr. Oui, ça, avec safety car, oui, ça change tout, ça, c'est clair et net. Allez. Un suprême qui est reparti du coup lui avec des blancs. Axel avec une icône de connexion mauvaise, c'est peut-être un problème. Est-ce que tu as vu peut-être des problèmes relayés par les viewers dans le chat, Firda? Non, je l'ai sous les yeux, non, pour l'instant on sert de tout l'air d'aller. Maintenant, s'il y a des soucis, n'hésitez pas à le dire. Tu l'as sous les yeux et il n'y a pas de souci ou il y a juste personne qui parle? Il y a juste personne qui parle. Il fallait pas le dire. Il fallait me mentir, Firoda. Je me sens éhonté maintenant. Non, je ne mens pas, moi je suis sage. Je suis sage. Aïe aïe aïe. La seule chose que j'ai vue à la rigueur, c'est Franck Daron qui a tendance à légèrement se TP, mais c'est pas bien. Il y a des problèmes de connexion avec Falco aussi, un peu avec Axel. Allez, Julien, on est parti sur un tour chrono, on va suivre en onboard. Et non, je pensais qu'il partait en tour chrono, je voyais chauffer ses pneus, mais apparemment pas. Écoutez, Mais non, il t'en rentre. Et c'est Fire Ghost qui est en mode ERS dépassement sur la ligne droite d'avant la fin. Et qui attaque, mais qui a un temps qui est pas génial. Hein. Non, là, on va partir sur un tour de rentrée. Donc, il a utilisé tout son ERS pour rentrer. Lui aussi. Un peu de déception là. Tour de sortie. Damien et Max, ouais, tour de sortie avec Ramaluki, Xanto. Tour de sortie pour Vettel, pour Damien, pour Max. Tour de sortie pour Xanto également. Et tour de sortie pour Fandaron, mais lui qui est en médium. Alors, qui est-ce qu'on va pouvoir suivre qui est... Allez, Damien qui va bientôt arriver. Écoute, moi je vais prendre Max pour le moment du coup. Damien qui va essayer de... Damien qui se fasse pas gêner par Lambdams. Allez, ça, je pense qu'il va le manger dans la ligne droite, je pense. Allez, Max qui est parti dans son tour chrono, on va suivre on board complet l'Alfa Romeo. Freinage sur vibreur, c'est bien, le point de corde est un petit peu juste mais c'est pas mal. Ouh c'est large. Allez, ça continue, toujours à fond, il a pas abordé même s'il est beaucoup monté sur le vibreur. Ah, c'est bien pris ça, c'est bien pris. Ça accélère assez tôt. Pour Damien.
On n'est pas au maximum hein, du côté de Max là. Alors pourquoi pourtant avec son pseudo il devrait être au max. Merci pour le jeu de mots. Mais non là c'est ça y va doucement encore. Il est meilleur d'un dixième Damien dans le premier secteur. On fait attention au max, on évite d'accélérer sur ce vibreur là, on perd beaucoup de temps. On part quand même de 3 dixièmes en réaccélérant sur le vibreur à la fin du gauche pourri comme je l'appelle si bien. Le virage lent après la troisième zone de DRS. Avant la troisième zone de DRS pardon. Ouais ça sort bien, on va attaquer le long droit. Ah il a déjà plus de DRS. Ah il y a plus. Ah c'est oh, le tour va se retrouver fini pour Damien. Ah bah là. Alors que ouais, ça continue pour Max. Ah Max il sort un peu large. Mais bon, il ira quand même au bout et ça donne. Une 26,82 augmente de 82 millièmes, pas une augmentation phénoménale, mais c'est bien pour des essais. Alors Damien, France de RS, ça donne quoi? Et Damien, troisième temps même avec une panne de RS, impressionnant. C'était pas une panne, hein, c'était une coupure de RS, je pense qu'il est, il a activé le mode dépassement au lieu d'activer le mode chrono, et c'est pas le bon deal à faire ça Damien, attention hein. On pourra pas, oui, les pilotes vous ne pourrez pas utiliser le mode dépassement pendant les qualifications. On va faire attention. Et qu'est-ce que ça a donné pour Falco? Du coup Falco qui est resté à 4ème classe ou qui est monté, je sais pas exactement, qui était aussi en tour. Et c'est Vettel qui va bientôt achever son tour, je crois. Non, ok, il rentre je pense là. Non il va pas rentrer. Et c'est Vettel qui continue, qui fait comme les autres, qui utilise le mode dépassement. Et oui mais c'est Vettel malheureusement qui a utilisé aussi le mode dépassement. Messieurs, c'est pas perspicace ça, ça représentera, ça vous met pas en situation ça. Alors après, évidemment, pour avoir la cote sur le live, là y a pas de soucis. Hein. Ah bah là par contre, là c'est la classe. Maintenant ça compense peut-être un petit peu, enfin, ça compense, ça remplace pas. Mais il y a le mode max sur le moteur, le mode 4, qu'il n'y a pas là en essai. Donc c'est vrai que t'as un petit écart de performance, en une 26.3. Je pense, ouais, le 25-7, peut-être en qualif. Bah écoute, en C, on était en 25-5, donc ça peut peut-être descendre encore moins. Hein. J'ose espérer peut-être voir un 25-2, finalement, après réflexion. Ah ouais, ça serait quand même incroyable. Oh, pas aussi incroyable que ce que va nous fournir la Liga la semaine prochaine. Ça, j'en suis sûr. Après, il faut garder les ligues où elles sont là, il faut... On peut pas comparer indéfiniment les ligues entre elles, elles sont là pour une raison. Donc ouais. Alors. Suprême, tour de sortie, Strigoun, tour de sortie, qui est à l'entame du secteur 2, Falco, tour de sortie. Suprême, ouais. Allez, Axel, qui commence son tour. C'est parti pour Axel, on va suivre en onboard. Il est 17ème, il essaie de faire en temps chrono là, il a 3 secondes 5 de retard par rapport au temps chrono. Il a fait que des relais jusque là et là il va essayer de chercher un temps. Allez, ça freine correctement, ça prend à peu près bien la corde, c'est bien, ça accélère bien. On va beaucoup manger le vibreur. J'en vois beaucoup manger le vibreur, alors ça se trouve c'est pas si pénalisant que ça ici. Moi j'avais souvenir que ça me faisait perdre du temps. Enfin là ça monte un peu sur le vibreur, mais bon, ça devrait pas faire perdre un moment de temps. Et moi je m'installe avec Strigoun, il va bientôt entamer son tour lancé. Allez, 7 dixièmes de montée dans le premier secteur pour Axel. Le virage ici qui est très bien pris. Un petit peu de doute hein, sur ce virage là, la corde qui a été un petit peu manquée sur l'extérieur. On a dû être au ralenti pour se remettre droit à la piste. Allez, on va chercher au maximum sur l'extérieur pour revenir à l'intérieur dans le virage à gauche. On enchaîne sur le grand droit. Attention de ne pas manger le vibreur, monsieur. Ouais, merci, Xanto, de tête écartée. Strigoun qui va finir sur le secteur 1. Alors, il va faire un sprint. Et on revient très vite sur les gaz. Hein, l'entame de l'avant-dernière ligne droite. Strigoun qui n'améliore pas son premier secteur. Ouais. Un centième de plus. Ça s'annonce loin, ça s'annonce assez loin pour Axel, quoique c'est pas si mal que ça. Sixième temps pour Axel, une demi-seconde derrière Seb Vettel. C'est bien. Allez, tout le monde part pour les tours de sortie là, tout le monde a chaussé les softs.
Ouais, c'est là que la piste est le plus gommée, c'est là qu'il faut. C'est là qu'il faut essayer. Ça bloque là pour Yervio, là en plus médium, s'il continue ses relais accompagné de Fandaron, là ils se suivent les deux. Ils sont un petit peu encerclés hein, par ces hommes là qui sont en train de faire des outlaps, des laps, des inlaps en soft là. Ils vont devoir s'écarter beaucoup. Tentative. On pourra dire que ces hommes font un cosplay de Robert Kubica. Laisser des blue flags, avoir des blue flags toute l'année, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Ah mais c'est pour ça que Trigone avait été découvert. Oh Xander, Yervio, Yervio, ouh tête à queue de Yervio, il est à l'arrêt. À la fin du secteur 2, dans le long droit, secteur drapeau jaune. Et pourtant il n'a que 2 tours hein, sur ses médiums. Il est pas impossible qu'il ait clip, c'est le terme anglais, ouais, clip le vibreur à l'intérieur, hein, c'est pas impossible. Moi j'étais sur Supreme qui était juste derrière lui, j'ai eu l'impression finalement qu'il montait vraiment sur le vibreur. Supreme, ok. Damien qui prend la 4ème place. 3 dixième derrière. Derrière Seb Vettel. Maintenant qu'on est sur les meilleurs tours, hop, écart, meilleur tour, voilà. Ça s'amuse autour d'une 26. Allez, ils sont déjà presque finis. Déjà, ça va vite. C'est vrai que ça fait à peu près la 4ème fois que je stream, il me semble. Et il est vrai qu'en stream, on a une perception qui est un peu plus rapide hein, de la course que quand on est dedans. Tu as beaucoup plus de choses à regarder, tout simplement. Et ouais, bah oui. Là, j'ai l'impression que ça fait 10 minutes qu'on y est. Ça fait déjà une demi-heure, mon cher Ford. Eh oui, le temps passe vite quand on s'amuse. Exactement. Oh, Supreme, ça sort loin, ça sort trop large. Ça va tout. Pour avorter ou attention ça survire un petit peu là, l'arrière a tendance à partir. Peut-être qu'il roule avec un setup assez bas en aéro pour favoriser la vitesse de pointe. Allez Falco qui finit son tour je crois. Et Falco qui améliore. Non, qui n'améliore pas son temps qui est plus lent de 41 millièmes de seconde. Ça n'avance pas. Allez on va suivre Shipper qui dans son tour chrono, dans son tour lancé. DRS activé, ça a laissé la place Max qui abandonne la session, je pense qu'il a voulu il a abandonné pas en crachant, pas de drapeau agité. C'est Vettel qui a cuté donc il n'améliorera pas son dernier tour. Mais il est déjà premier notre petit chef cher Vettel. Tu devrais être content, c'est une Ferrari. Il a un millième d'avance au deuxième secteur Julien. Ah oui, voilà on part d'une amélioration en béton. Il perd la voiture. Ah bah là on est plus sur un millième. Ah là là attention Shipper je pense qu'il y a bon ouais, Shipper qui allait trop large et qui a eu tant au tour annulé. Ximax qui rentre. Ouais. Allez Xanto qui est dans son tour. Non. Est-ce qu'il est dans son tour? Je sais pas. Je ne sais pas s'il est dans son tour, il est en RS1 donc ça me paraît bizarre. Non je pense pas qu'il est en tour là. Oula attention. Ouhouhou. Une Ferrari au milieu de la route là. Je pense que ça va rentrer là pour Xanto. Ça rentre au Xanto. Exconide, vous pouvez envoyer une invite à Strigoon SVP. Mais avec pur plaisir. Hop, Strigoon. Strigoon, je le vois en multi. Ah oui, va par là, il faut qu'on passe maintenant. Salut à tous, salut à Psy. Inviter des amis. Où es-tu, mon cher Strigoon? Il faut que je vois, pour que je te vois pour t'inviter. Strigoon, le voilà, hop, et c'est fait. Tu me remercieras plus tard. Alors, qui a pas encore fini son tour? Pas tout le monde, là il manque plus que chaque pilote au stand abandonne pour pouvoir faire finir la session, messieurs. Et on pourra passer aux qualifications, 18 minutes, ouf, oula, qu'est-ce que je viens de voir? J'étais en train de regarder à côté, ouais, bon, allez, les bots qui nous font des merveilles, hein, toujours. C'est du Destruction Derby, ils nous font du Mitsu, là, hein. Ah, du Mitsu tout craché! C'est ça! Mais par contre, j'ai quand même un super beau plan sur ce carnage, donc c'est magnifique. Allez, Axel, il faut abandonner. Je vais aller le prévenir en très très vite. Étant donné que c'est un homme de mon écurie. Après, il reste. Vas-y, Axel, abandonne vite là, comme ça continue. Voilà,
Chose faite. Les écarts sont assez serrés quand même, hein. Je sais pas ce que t'en penses. On est en essai libre, les 4 premiers sont dans les 2 dixièmes déjà, c'est bon. Et c'est pas mal, alors je pense par contre que ça va se creuser là, pendant les qualifs, on va vraiment avoir quelques pilotes très très haut, un gros paquet au milieu. On en attend du lourd là, en tout cas là, de la part des 5 premiers déjà. Ça c'est sûr. Les 5 premiers, on les attend en qualification là, on les attend en tournant. Voire même jusqu'à Marley. Ouais, évidemment, on les entend tous au tournant, hein, les pilotes, on leur espère tous le meilleur, mais il est vrai que on peut se baser un petit peu sur les essais pour faire des petits pronos. Bon, voilà. Ah, c'est vrai que ça donne une idée. Un pronostic pour la qualif. Ça va jouer entre Seb Vettel, je pense, et. Allez, je verrais bien autrement un petit Fire Ghost. Ouais, pourquoi pas. Pôle, Allez, on est de nuit, on est dans les qualifications, c'est parti. Le climat de la course s'installe. Ce circuit qui fait de nuit, c'est très très agréable. Et Axel qui abandonne, je crois qu'il est ben qualif, notre cher Axel. Donc il abandonne directement. Il me semble qu'il est ben qualif pour un mouvement en Australie. Est-ce que c'était le faux départ? Je suis pas sûr. Je vais vérifier l'info tout de suite. Bonsoir à toi, Yokilka. Forum et France. Et on a quoi qui parle chinois dans le chat? Parfait. Je comprends. Je vais mettre moi modo bordel. Écoutez, ce serait avec plaisir si j'en avais les pouvoirs. Alors, bureau FI. Oh, attention, oulala, Zanto il a pilé. Sinon, il se serait mangé Ramaloki. Alors, résultat réunion FIA de Ligue B. Sanction. Action dangereuse de Axel 53. Nous sommes au départ quand Axel 53 anticipe les feux et décolle plutôt que la reste grise devant lui. Arrive au premier virage, il freine au même endroit que Ferrago, c'est le tas sur l'extérieur. Il était impossible de la vue d'Axel grâce à son départ volé. Et qui est de la place en Ferrago. Je le répète, nous sommes au départ, etc. etc. Ok. Interdiction de qualification pour prochain GP ainsi que des reprises de 2 points sur Super Licence. Action dangereuse au départ. Voilà, pour clarifier le cas de Axel. Alors, bon, qui aurait... C'est le premier à s'élancer. Voilà, il y a quelques sanctions. Après, il me semble qu'il n'y a pas eu d'autres actions supplémentaires par Axel qui a pris une interdiction de qualification. Non, après, ça a été aucune action, et du 50-50, aucune action. Aucune action. Allez, je sais pas si on entend beaucoup la musique sur le retour. Je vais l'augmenter un petit peu. Voilà. Allez, Strigoon. Allez, du coup, tu m'as dit, on se met sur la caméra de Max, c'est ça? Ouais, bah c'est le premier à s'élancer, Max, donc ça y est, dans la ligne. Eh ben, allez. Les crédits à la Proti Max, derrière lui, je crois qu'il y a quelqu'un qui lui colle au cul. Juste derrière là. Ouais, Ramaloki, pareil, qui est lancé, je suis sur lui également. Et écoute, je me situe en caméra... cockpit, TV cam sur notre ami. Voilà. Allez, drapeau jaune secteur 3, il y en a un qui est sorti, j'arrive pas à voir qui c'est. Non, ok, c'est drapeau jaune pour laisser passer. J'en suis ralenti. Tiens, active les données, les temps autour sur le live. Bien vu, oui, ça c'est reset. Excusez-moi. Ouais, détail, meilleur tour. Et télémétrie activée, données du tour activées évidemment. Voilà. Alors, Quest propose un 24.2 sur Strigoon. Alors, quand j'ai vu une Ferrari à l'arrêt. Parce qu'il est suprême et il est 24.2 à l'arrêt. Tu bon, t'es pas sûr qu'il voulait dire 25.2 plutôt? 25.2 ça me paraît quand même. Ah ouais, ouais, je pense que ouais, il a peut-être voulu dire 25.2 parce que 24.2 ça me semble énorme. Énorme, énorme. Ah oui, bah tu sais, si tu manges tout le deuxième secteur, tu peux même faire sous la minute. Hein. Allez, Max là qui va essayer d'aller taper dans les 1.25, peut-être que ça va se faire. Une 26.2, une 26.240 pour Max. Suivi d'assez loin quand même par Ramaloki. Suivi de Irvillo. Et Damien qui prend directement une 25-825.
823, ouais, pardon, c'est bien, c'est beau. La barre des 26 qui tombe directement, exactement comme tu l'as dit. Allez, il faut gérer ses pneus, messieurs. On n'attaque pas trop. Fadragos qui suit Damien à quelques 50 millièmes. Allez, on attend toujours le temps de Seb Vettel aussi, qui est qui avait l'air prometteur. Je suis d'abord, je le regarde. Je le regarde, il vient d'entamer ce nouveau tour. Allez, Exanto qui va devoir se décaler. Exanto, voilà, c'est bien. Voilà. Merci, monsieur. Qui a donné un petit peu d'aspiration, peut-être que ça pourra faire gagner quelques dixièmes à Seb Vettel. 27.6 pour le premier secteur. Allez, ça laisse passer dans le secteur 1 là. C'est très bien, nickel. Un freinage un peu raté là, mais c'est dur de pas bloquer les pneus. MP qui laisse passer, c'est fair play. Alors on a Fire Ghost qui est vraiment dans la boîte de vitesse de Damien et pareil Frost, hein, ils sont vraiment pas loin les trois premiers. On a deux Mercedes. Hop, excusez-moi, il n'y a pas le son, c'est normal. Je m'ouvre la carte avec la télémétrie à côté, parce que la petite carte est un petit peu. Et Frandaron, 1.25.713 avec sa Renault, donc il est en pôle provisoire. C'est Vettel qui va passer la ligne. C'est Vettel, 1.25.880. Très joli temps, bravo. Ensuite. Donc là, on a un tour sur ses pneus, donc là, ça va rentrer. Nebu qui a mangé son. Enfin, qui a mangé. Qui a arrêté son tour, il a dû cuter quelque part. Par contre, on a MT qui a à fond la caisse, il vient de quitter le premier secteur. Eh ben écoutez, ça va être sans les télémétries parce que ça n'affiche plus les noms des joueurs, malheureusement. Bah c'est super. Alors, Fandaron qui prend la pole provisoire avec 1.25.713. C'est beau, Seb Vettel, troisième. On l'attendait au tournant, il est là. 9 millième entre Seb Vettel et Fire Ghost. C'est serré, hein, c'est serré. 9 millièmes là, ouais. Mais pas encore. Nous ne sommes pas encore au temps de la Lixé, hein. Il faut aller chercher plus loin, messieurs. Attends, c'était le premier stint. Ah, c'est le premier stint, évidemment, mais. La piste n'est pas encore gommée, il faut mettre la température, etc. Il faut se mettre dans le pain, évidemment, mais. Et là, on voit directement. Ouais. Allez, on voit ceux qui ont essayé de faire l'intense en médium. Comme ce que je disais tout à l'heure, voilà, à peu près la plupart du peloton va se qualifier en soft. C'est pour ça que même si vous voulez partir bien, il faudra se qualifier en soft et viser peut-être la 11ème place. Moi, c'est ce que j'ai fait personnellement. J'ai visé la 11ème place, j'étais 13ème à 47 millième de la 10ème place. C'est satisfaisant. Et MT, 10ème position, une 26-337. Est-ce que MT un peu loin. Lui la 11ème place pour choisir ses pneumatiques au départ? On verra à la fin. Hein. Alors, Betty Ball, pour te répondre, donc c'est un championnat qui est organisé, c'est une ligue francophone. Il y a 5 ligues avec des pilotes qui sont classés par niveau. Et en fait, il y a un championnat, c'est une course par ligue toutes les deux semaines. Puis c'est les autres pilotes des autres ligues qui commentent et qui streament les courses. Et puis, bah, en fait, le championnat est divisé en deux. Il y a la mi-saison, donc ça fait deux championnats en un. Puis, le but est de gagner. On a le même barème de points que sur les vraies courses de F1. Le but, c'est de gagner la première partie du championnat, puis la deuxième. Exactement, t'as tout dit. Tout simplement. J'espère que j'ai bien expliqué, que c'est clair. On est divisé, effectivement, en 5 ligues. La Ligue A étant les joueurs les plus forts, la Ligue E étant les joueurs les moins bons. Les moins bons, entre guillemets, ceux qui alors, sont... Alors, Napoli Quest, ça, vous le faites... Excuse-moi d'être... T'inquiète. Vous le faites en CLM ou vous le faites en qualif, votre 25-7 et 25-5? Et Damien qui part en tour lancé. On est en board. En qualif, ah bah c'est pas mal en qualif même. En 5-7. Ah, Damien qui améliore pas son premier secteur là, 68 millièmes de retard. Ça peut-être aller chercher sur un secteur qu'il a manqué dans son premier stint. Et là, c'est intelligent. Ce Julien et Xanto, ils sont très très proches, les deux pilotes McLaren. Et Julien donne la version à Xanto, mais Xanto de patine à la sortie du deuxième secteur, enfin du premier du deuxième virage.
Ah je les vois là, les deux McLaren là. Ah je suis sur Xanto, il a bloqué. Est-ce que ça améliore? Eh non, 2 dixièmes plus lent que le... Ah 2 dixièmes, ouais, il va devoir abandonner son tour je pense là. Ça va être compliqué à chercher les 2 autres dixièmes. Et Damien du coup qui améliore. Il y a un éclair de génie. Damien qui améliore là, 1 dixième de up sur son secteur. Il est à... il a amélioré de 40 millièmes en tout cas, en tout dans son tour. Il va falloir réussir la dernière impulsion, secteur 1 et 2, drapeau jaune, ça laisse passer. Allez, DRS activé, ah, il n'y a plus de DRS et ça améliore de 1 dixième seulement pour Damien. Et il est à 1 millième derrière Fandaron, 1 millième. Ouais, c'est... Quel dommage. Quel dommage pour... il doit être très déçu là, Damien. Et Fandaron qui a annulé son... Ah non, qui est parti, d'accord. Allez, Fandaron qui est parti. Secteur 2, ça laisse passer là, dans la grande ligne droite des DRS. Ouais, allez, on est avec Fire Ghost là, qui fait son tour pour le moment. Drapeau jaune, secteur 1, la Ferrari qui laisse passer la Red Bull. Allez, j'étais avec qui moi? J'étais avec Fire Ghost, me semble-t-il. Ouais, on était avec Fire Ghost en POV. Et Fire Ghost qui n'améliore pas là, qui a une dixième de retard. Pardon, je dis de la merde. Record dans le secteur 2, la place Fire Ghost qui a mis en 2 dixièmes de son temps. C'est 2 dixièmes plus rapide là, Fire Ghost qui va aller prendre la pole position provisoire. Il faut pas se rater. Prendre une bonne impulsion, activer le DRS à la microseconde. Allez, ça y va et ça va chercher la pole provisoire en 1.25, 5, 7, 7. Oh là 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 là, c'est si serré. Et Falco, qui améliore. Et il y a Seb qui vient de... Un demi-dixième de prix de par le Falco. Ouh. Mais c'est très très serré entre les places 2 et 4. Il y a 2 millièmes, 3 millièmes d'écart. Ouais, c'est... Ouais, y a... C'est impressionnant. Là, c'est ouf. Moi, sur mon chrono, j'ai vu... je voyais Fire Ghost en 712. Et là, sur le leaderboard, il est en 711. Mais c'est vrai qu'avec 712, ça aurait... Ouais, sur le leaderboard, c'est marqué en 711. Et mais... Seb qui améliore de 16. Record dans le premier secteur pour Seb Vettel. Ouais. Il améliore de 16 centièmes. Et ça ressort bien, ça patine pas. Ouais, Marley qui a abandonné son tour, il a le tour annulé. Déprime pas, quoi, c'est pas grave. T'as encore une semaine pour t'entraîner. Moi aussi, je suis la ramasse, t'inquiète pas. Alors, qu'est-ce que ça va donner dans le long gauche-droite? Est-ce que les pneus ont déjà commencé à se surchauffer? Ça va bien. C'est pas mal. Ça roule bien là. La voiture est collée au bitume. Ah ouais, c'est... Petit peu, attention de ne pas bloquer. Non, ça bloquera pas, ça va peut-être même donner un petit peu d'aspiration. Non, ça va pas donner d'aspiration, ils sont pas si gentils dans cette ligue. Et là, ça va faire un bon temps là, il est bien parti, ça ne voit pas d'erreur, il accélère au bon moment. Ah ouais, c'est beau là, ça ira chercher quelque chose. Ouais, là c'est pas mal, alors attention, ça va jouer au millième. Et ça prend la pole provisoire, en 1.25.491, 4 dixièmes de gagner par rapport à son temps d'avant. Ah bah là c'est énorme, parce que j'ai, un petit temps de latence. J'ai vu passer la ligne et il se passe rien, je pensais qu'il n'avait pas amélioré. Bravo Seb Vettel. On l'attendait au tournant Seb Vettel et on a eu raison. Mon pronostic est bon. Tu l'attendais, t'attendais aussi bon. Fire Ghost au tournant, t'as eu raison, 3ème position pour Fire Ghost. C'est Falco que je ne pensais pas voir là. Ah oui, Falco, ouais. C'est très beau, c'est très très beau, ça roule bien là. Et la Ferrari qui roule au ralenti, là, la Ferrari de Suprême qui roule en ralenti dans les S. Il va finir son tour. Alors Fandaron, attention, qu'est-ce que ça va faire? Et ça prend la deuxième place. Deuxième temps, ouh, bien joué. C'est beau, 25, c'est beau ça. 5, allez, un demi-dixième un peu plus loin de Seb Vettel. Alors Quest qui annonce un DNF pour lui la semaine prochaine. C'est une stratégie... Intéressant comme stratégie. Ah ouais. Interesting tactic. Ah ouais, c'est beau, c'est beau. Hein. Magnifique. Ça présage que du bon. Alors, on va essayer de voir qui est en tour lancé. Je me fie à la petite compteur de RS en bas. Je les vois tous en zéro là. Ils sont tous en zéro là. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, Damien, gardien qui va mettre son tour. Marley aussi. Non, Marley qui est en tour de sortie. Ouais, qui vient de commencer son tour de sortie. Allez, on va suivre Damien qui est à peu près le seul dehors. Irvio aussi, il me semble qu'il va commencer. Je me mets sur Irvio, je suis sur Irvio. Tu es sur Irvio, je me place sur Damien qui va commencer. Allez, c'est parti. FDS 2 points, le DRS qui est très rapidement, c'est beau. Allez. Je te rassure, Napo, moi aussi, si je peux finir la course avec une voiture entière, ça m'irait bien. Ça t'arrange. Il y a plus de place sur le circuit. Ça t'arrangerait.
Ah, moi aussi je vais commencer dernier. Allez, on va s'activer des restos, c'est bien. Allez, Red Bull, il faudra faire attention à pas tout gâcher comme la semaine dernière, il y a deux semaines, pardon. Les doubles faux départs des Red Bull, on se rappelle, qui ont mis grandement la course. Ah, c'était quelque chose d'assez assez difficile à voir, hein, surtout un membre Red Bull que je suis. Allez, Damien qui a amélioré de un demi-dixième, son premier secteur c'est léger, mais c'est quand même de l'amélioration. Là, on joue à des demi-dixièmes, donc c'est toujours ça de prix. Et c'est bien, ça repart bien. Et qu'est-ce que ça donne du côté du Irvio? Alors, Irvio va entamer son tour là. Okay. DRS activé dans la grande ligne droite, c'est parti. Et les gens vont attendre là, bientôt là, dans une minute, on va avoir un déferlement de voitures qui vont sortir. Ouais. Damien, préféré, fait son tour avant. Ouh, Damien qui améliore de 2 dixièmes le secteur, qui prend meilleur record dans secteur 2. Ça va aller, si ça continue à améliorer, ça va peut-être aller chercher à côté de la pole. Même si Seb est quand même bien amélioré, 2 dixièmes, on n'est pas loin. Hein. Il manque un demi dixième là d'aller chercher en plus. Eh non, ça rentre pour Damien, ça rentre, ça va essayer d'aller refaire une autre tentative. C'est dommage, moi j'aurais fini son tour, mais bon, c'est. Alors, c'est dommage. Irvio, plus d'un dixième d'amélioration dans son premier secteur. Allez, on va suivre Irvio qui est le seul apparemment à être en train de faire son tour. Ouais. Et les tours de sortie qui commencent à partir, Suprême qui sort. Dimax qui sort, Strigoon qui sort, Dams qui sort. Pas mal, pas trop de patinage pour Irvio, c'est pas mal. Alors attention, on va voir le long gauche-droite là. Comment il va gérer ses pneus. Oh, ça bloque à l'intérieur. On a attendu le petit blocage de roue. Ouais, tu sais, ce qui vient de libreur, c'est pas mal. Record dans le deuxième secteur. Mais je crois que tout le monde a le record dans le deuxième secteur, tu sais. Je crois que c'est le fameux bug du deuxième secteur. Après, soit le deuxième secteur était nul et du coup tout le monde le bat. Soit, ouais, c'est un bug et tout le monde le bat quand même. Ah, qu'est-ce que ça a donné là pour Irvio? Est-ce que ça peut monter? Peut-être 7ème. Oh, 13ème, c'est loin. Une 26, 0,66, c'est loin. C'est loin par rapport à la concurrence. Allez, de là, tout le monde en tour de sortie. Tout le monde, je dis bien. Et Dams qui a commencé son tour. Et là, qui va avoir du trafic, Dams. Il va avoir beaucoup, beaucoup de trafic là. Les trois quarts des pilotes sont en tour de sortie là, il va falloir que les gens se décalent là pour laisser passer. Il va falloir attention à éviter le bouchon là. On va éviter les bouchons, tu sais, dans la ligne droite. Même si je vois sur la map qu'ils sont assez échelonnés les pilotes, ils sont assez espacés donc ça devrait pas poser trop de problèmes. Le vendeur sushi s'excuse pour son absence, remets tout va bien, hein, c'est en train de mourir dans ton lit. Comment ça tout va bien? Tu es absent, tu mérites d'être puni. il est sadique, il est méchant. On va t'enrouler dans un sushi, mon pote. Prends soin de toi, c'est le principal. Évidemment. La santé avant tout. Et pour Damien, ça améliore pas dans le premier secteur. C'est un dixième plus lent dans le premier secteur. Le virage à gauche avant la ligne droite du 3ème DRS est pas très bien pris. Ah, c'est compliqué pour Dams. Ah là là, ah, ça va sur l'extérieur. Ah non, là, c'est pas bon du tout, Dams. Ah, le tour de Dams qui est complètement raté. Complètement raté le tour de Damien là. Et ouais, ça avance pas là, ça va rester en 1.26.3 peut-être au mieux. C'est très très loin. Pendant ce temps, on a Xanto, Max, Strigoon, Irvio, Julien, Suprême, Ximax, Fergus, Falcon, qui ont refait leur tour. Et Lordams qui est rentré directement au stand. Qui va partir 18ème, 18ème c'est dur, 18ème là pour Damien. Peut-être pour Lordams du coup. Un coup de poker. Alors Seb Vettel, ouais, ça sort bien des deux premiers virages. Allez, on est sur la caméra avec Falco là. Peut-être qu'il va peut-être pouvoir aller chercher un petit peu plus haut. Il a fait un bon premier stint. Allez, la séance qualification qui se termine. Tous les pilotes en piste ont commencé leur tour. Ouh, Seb Vettel, oulala, il a perdu la voiture. C'est terminé pour Seb. Il est quand même en pole position provisoire pour le moment. Ouais, allez, est-ce que Falco ça améliore? Falco, non, c'est plus lent de 138 millième pour Falco. Il n'a que. Du côté de Fondaron, ça améliore du côté de Fondaron. Secteur 2 là, ça a amélioré. Enfin, secteur 1 a amélioré là, presque d'un dixième. On est à 81 millième d'up. Ça prend bien la corde, ça accélère DRS. Peut-être aller chercher la pole là. Fondaron, ça devait être plus là pour faire un temps. C'est pas impossible. Alors que Lordams, Max, Irvio se stabilise à la 14, 15ème et 16ème place. Ximax reste à la 7ème place. Falco qui abandonne.
Fire Ghost qui n'améliore pas 25. Oh là là, Fondaron, ça va chercher la pole, ça va chercher la pole. Fondaron, il a deux dixièmes. Sur son temps, il a dixième. Oui, oulala. Il va aller chercher. Il va aller chercher la 25.2 là. Allez, il faut pas que ça le gêne dans le dernier secteur. Il y va doucement, il veut pas casser le tout. Ouais, ouais. Oh, ça accélère bien, c'est beau. Ah là, on va taper du 25.2 là. 1.25.3, c'est voilà. La pole pour Fondaron. Ça fait tel qu'il ne pourra pas contester. Le seul qui peut encore combattre, c'est Suprême. Et non, Suprême a arrêté son tour. Et c'est la pole position de Fandaron, suivi de Seb Vettel et de Damien. Très belle qualification, messieurs, bravo à vous. Ah, Fandaron, là, il est à l'aise. Hein. Belle, ouais. Ah ouais. La voiture, il a mis, pas, elle est collée au sol. Il a mis un dixième et demi à Seb Vettel. C'est fort. Damien qui est remonté au troisième rang, qui a refait son tour. Il me semble qu'il était pour son plus rapide dans son essai juste avant celui-là. C'est dommage, il aurait peut-être pu aller plus loin. Et il manque plus que les pilotes au stand abandonnent pour qu'on puisse commencer la course. Get in there, Fandaron. Yes! Bravo à lui. Après, est-ce qu'il va pouvoir concrétiser maintenant? Il faut faire attention, hein. Oui. Il va falloir regarder l'usure des pneus, les softs qui vont partir un peu plus rapidement. Attention, on va pas faire un big one. Comme ce qui s'est passé en C. Merci aux 51 viewers. Merci à vous. 51 viewers. Pouf. Ça en fait du monde. Bonsoir à vous. Ouais, alors attention, c'est le premier virage. La piste est large, ça se resserre, virage très serré. La piste est assez large pour accueillir 4 voitures, mais le virage, lui, ne l'est pas. Non. Et les pilotes ont peut-être un petit peu de mal à se mettre ça dans la tête. C'est vrai que. On est tenté d'aller chercher dans l'intérieur ou l'extérieur. Mais l'intérieur dans ce genre de virage n'est jamais la bonne option. C'est l'extérieur à privilégier le plus. Oh, je suis avec ma petite bière là. Oh, c'est parfait. Merci Coyote. Coyote nous dit pas mal de commentaires. On prend comment? Bah écoute, c'est. Je suis pas c'est un honneur, c'est un honneur d'être complimenté par Coyote lui-même. Maintenant, il va pouvoir aller rechercher. Continuer la course à aller chercher Bip Bip. Si tu as la référence, évidemment. Salut. Allez, c'est là-dessus qu'on va terminer le live. Merci à tous pour votre soutien. Et je vous dis à la prochaine. On voit bien. Tu te crains, je te laisse scanner la. Ouais. Au cas où. Et alors, du coup, ce qu'on peut voir, Seb Vettel. Une 25-480, Damien sur sa Red Bull, une 25-492. Donc là, ça joue à quasiment rien. Alors, les écarts, ils sont impressionnants, ouais, tu l'as dit. Hein. Pareil, c'est... entre Fire Ghost, 25-711, et Frost, pareil, son coéquipier, 25-718, il y a 9 millièmes d'écart. Les écarts sont très serrés. Hein. Ouais, c'est. Là, ça va être intéressant, je pense. Ça va être très intéressant. Là, il y a MT qui fait la bonne opération là, à être qualifié 11ème. Il me semble que c'était MC qui était 11ème là. Qui va pouvoir partir sur des pneus neufs. Peut-être aller chercher le medium hard. On va prendre ma 12 voix. Alors, c'est vrai que dans ce circuit, c'est vrai que ça va peut-être. Moi, en tout cas, ça porte ses fruits de partir en medium. Il est vrai que. Avec les safety cars, ceux qui sont en soft veulent s'en débarrasser vite parce qu'ils savent que la gomme va partir. Être en médium c'est intéressant, on peut les emmener loin et attendre une autre opportunité. Ça m'étonnerait pas de voir plus de la moitié des pilotes de la 11ème à la 20ème position taper dans du médium. Après c'est un pneu que j'ai pas vu beaucoup pratiquer, toi non plus qu'on a pas vu beaucoup pratiquer en essai. Alors on verra, après rien n'empêche d'avoir pratiqué avant donc on peut avoir des surprises. Allez les pilotes qui se sont installés sur la grille. Alors, voyons voir. Allez, soft. De toute façon, pour les premiers, on est sur du soft. On va regarder les pneus à partir de Julien. Julien qui part en soft. Medium pour MT. Et il y a 5 medium en soft. Pour Irvio, pour Max, pour Dax. Ouh, ça part en hard pour Rama. Ouh, ah oui, c'est ambitieux ouais, ça. C'est ambitieux, mais je te dis, pour moi, la strat, c'est rouge-blanc. Et lui, il va faire blanc-rouge simplement. Il va s'arrêter plus tard. Après ça va faire du jaune-blanc pour les autres pilotes. Axel qui a mis des pneus soft, Axel qui après son bonne qualif doit avoir faim, très très faim, on l'attend, on attaque là, il va falloir le surveiller ce bonhomme. Ouais bah je vais peut-être me mettre sur lui au départ. Écoute, je te laisse te mettre derrière, moi je me mets devant, je me mettrai en vue totale. La stratégie des pneus qui vous a été affichée, alors elle a disparu parce que
parce que Codemaster, mais ouais, les stratégies, on est sur du soft hard, du soft medium medium ou du medium hard. Très peu de medium soft ou de soft medium. C'est vrai que comme on en a parlé tout à l'heure, c'était assez risqué. Hein. Ça va surchauffer, ça va glisser, ça va être dangereux pour le pilote et pour les autres. Donc à part pour aucune safety car et vous visez la dernière place, il n'y a pas d'intérêt à faire un soft medium. Fandaron qui a pas le temps. Fandaron qui a pas le temps, qui a déjà mis une petite colle à tout le monde là, voilà, ils se font rattraper là par Seb. Faut faire attention Fandaron, hein, aller un petit peu trop vite pour ça, pas mettre de pourcentage inutile dans tes pneus. Et là on va pareil pour les autres, attention de pas trop zigzaguer. Il y a aucun intérêt de toute manière à commencer à chauffer les pneus au début. C'est à la fin qu'il faut chauffer les pneus. Et sinon c'est mettre du pourcentage de ses pneus inutilement au début. Sinon petite touche personnelle, j'adore le son de la Red Bull, le moteur Honda. Ah, c'est vrai qu'il est assez agréable. Hein. J'adore le quand ça décélère, quand ça descend dans les régimes. Il est beau. Donc, moi, je suis chez Ferrari, c'est vraiment archi claqué au sol. Quoi. C'est le... Ah, le moi, je trouve que les moteurs As Alpha Ferrari ils sont pas si mauvais que ça. Après, c'est différent. Après, il faut t'habituer à un moteur en fait. Le fait de s'habituer à un moteur, ça se fait assez vite, je trouve. Honnêtement, au bout d'une heure, ça se fait vite parce que tu te repères au rapport, etc. Ça se fait vite. Mais c'est vrai que t'as des moteurs qui font des bruits un peu dégueu, on va pas se mentir. Par exemple, le moteur Renault ou le moteur Mercedes. Bon. C'est ça. Moteur Mercedes, ouais, il nous hante ce bruit de moteur Mercedes avec le CLM. Oui, oula, est-ce que toi aussi t'as le bug tour 2 sur 29? Non, c'est bon. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez, c'est parti le départ. Et on est parti. C'est un bon envol de la. Oula, un bon envol, très bon envol de la Haas. Marley qui a pris une très bon envol. Oula, là, c'est 5 de front. Marley qui va peut-être faire la bonne opération. Où ça bloque là, Ça va pas bouger. Je vois que ça va pas toucher. Ça cut le premier virage. Hein. Et Fergus qui perd beaucoup. Fergus qui perd beaucoup de place. Axel qui s'est fait tasser. Ou je pense qu'il a dû faire une. Il est quand même remonté 14. Axel qui a pris 6 places dans le process. C'est impressionnant. Fandaron qui a perdu la première place sur cette Vettel. Ouh, attention. Ça a fait toucher avec Julien. Julien, d'ailleurs, j'attendais plus haut en vue de son rythme en essai. Je me suis dit qu'en qualif. Oh, Axel qui l'a faim. Est-ce qu'il va aller tenter l'intérieur? Oh oui, il va tenter l'intérieur. Axel, attention! Aïe aïe aïe, il est obligé de sortir et ça perd la place sur l'AlphaTauri. Malheureusement, peut-être mène la place sur la McLaren. C'était beaucoup trop ambitieux. Beaucoup trop ambitieux de la part de la Red Bull et qui repère la place sur Lord Hams. Ah bah, attention, messieurs, attention. On se laisse de la place dans les virages. Allez, on voit les écarts qui sont Shipper qui est juste derrière Fergus qui met la pression. Zonto coude à coude avec Strigoun. Marley en tout cas qui a fait une bonne opération, qui a gagné la place sur Damien dès le départ. Allez, est-ce que Shipper va aller chercher Fergus? J'ai pas l'impression que c'est mieux sorti. Par contre la Mercedes Suprême qui lui met la pression, il va peut-être aller à l'intérieur et ça y va pour Suprême, l'intérieur. Attention, on se laisse de la place. Aïe aïe aïe, ça touche. Pas de casse malheureusement, mais ça va loin, hein. Ça touche là. Ouais, Suprême qui a pas. Allez, ça repart dans la ligne droite. La Alfa Romeo qui se joint à la bataille, Ximax qui va essayer de prendre 3 de front, il prend l'intérieur Ximax. Il a peut-être gagné 2 positions d'un coup. Ouais, ça va passer, ce geste Strigoun 5ème. Et il est. Ximax qui a pas réussi à prendre la place Suprême, mais qui a pris la place sur Shipper. Shipper qui a perdu beaucoup là-dessus. Il perd 8 places, Shipper. Hein. Oh là là, les places, mon dieu! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Zonto a touché. Mais Seb Vettel et Fandaron, qu'est-ce qui s'est passé? Attends quoi? Ok, j'ai un problème dans les positions moi. Ok, non, il faut que ça se remette là. Ouais, j'ai un problème dans les positions. Voilà. Non, moi aussi j'avais Dame ça 6ème. Oui, non mais voilà, on revient. Voilà, on revient. Cheaper, 3 secondes. Allez, Max qui abandonne! Terrible! Ah, une safety car. Y a-t-il une safety car? Drapeau jaune, safety car virtuel. Ximax qui est sorti là, qui est rentré dans le mur de pneus à gauche. Avant, juste au début du secteur 2 là, tu sais t'as le gauche-droite, oui, tu le vois sur la map. Alors on refait un petit point sur le classement, c'est Vettel qui a échappé à la pole de peu, qui a repris directement le lead de la course. Fandaron qui s'est fait manger la place. Et qui a 1 seconde 4 de retard sur Seb. Ah c'est loin hein. Alors que Marley lui reste au contact de Fandaron et Damien aussi. Les écarts figés, on a Damien là qui... Oh c'est reparti. Et Damien a tout perdu. Damien qui a tout perdu. Falco qui a pris le... Damien qui a pris une meilleure esquive que Damien. Falco, meilleure accélération, meilleur tout. Il s'est fait avoir. Il a gagné trop de Delta et maintenant il est attaqué par Frost. Peut-être.
Oh ouais, la télémétrie qui active mode dépassement. Alors, et ça fait l'intérieur. Zimax est sur Shipper. Damien qui a tout perdu, c'est dommage, c'est tellement dommage pour Damien. Il va essayer de rester à l'extérieur. Ouh là là, ça touche presque. Ok, Damien qui reste devant, mais attention, la réaccélération, peut-être qu'il me prise de la peur de Frost. Non. Ouais, ça dépend bien de la part des Chippers qui font certainement. Ouais, fait, regarde s'il continue à perdre des places. Suprême qui est remonté. Ouf, Suprême, il y va à l'extérieur. Est-ce que ça passe? Magnifique, magnifique move de Suprême. C'était incroyable, incroyable. C'est très très propre. Et là, maintenant, Suprême qui va essayer de revenir sur Damien. Oh, Suprême qui perd la voiture, Suprême. Oh là là, terrible, il faisait une si belle remontée. Il casse pas la voiture. Il casse pas la voiture, pas d'aileron, mais ça va partir dernier cette histoire, c'est dommage. C'est dommage. Aïe 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 aïe, un début de course assez tourmenté là. Dommage pour Max qui était bien aussi en sa course. Et là, directement, Seb qui s'est mis hors de portée du DRS de Fandaron. Il réalise la bonne opération, il a plus de RS que Fandaron. Fandaron qui utilise de l'RS pour rester au contact là. Marley qui est au contact de Fandaron. Les deux As qui font une très très belle opération là, en passant de 4 à 5 à 3 et 4. Faudrait pas que ça finisse comme les Red Bull la dernière fois. Faites attention messieurs, Damien qui va essayer de revenir sur Falco. Non, il a perdu. Léa c'est digne successeur de l'année dernière. Non, c'est beau. Alors maintenant il va falloir donner des directives. Hein. Là c'est. On en a plusieurs là. On a les As, on a les médias, on a les Mercedes, pardon, pas les médiums. Qui sont. Oula, par contre. Oh ah là là, Damien, il a plus une seule goutte de RS. 0% de RS pour Damien. Alors que Fire Ghost, lui, il est à 50%. Damien qui va se trouver en très grande difficulté. Il a essayé de revenir dans le DRS de Falco. Mais malheureusement, il n'y est pas arrivé. Il est en difficulté sur ces pneus là. Damien, ça ne va pas. Et Marley qui refait le contact sur Fandaron. Et Seb Vettel qui s'échappe. Il s'échappe du peloton. Seb Vettel de très très loin. Ah oui, il faut qu'il prenne de l'avance. C'est. Allez, on a Marley. Droite, le DRS, il coûte. Alors, on a Suprême qui s'arrête au sport. Allez, on est. Dams. Ah, on est outboard. Tu avais bien vu. Exco, possible de voir les pneus. Alors, je crois tout à l'heure qu'il a dit que les pneus ça faisait bugger les pseudos. Non, écoute, c'est bon. Je les... En fait, c'est parce que j'avais mis les changements de position. Parce que c'était au début, mais voilà, maintenant par les pneus. Ouais. Alors là, on a un petit train là. Un petit train qui se forme derrière Fire Ghost. Tous en dessous de la seconde, on a jusqu'à Xanto là, un train de 7 personnes, assez impressionnant. Et malheureusement Damien qui a perdu, qui perd beaucoup là sur Falco. Damien déjà à 2 secondes, Marley qui reste au contact et Falco qui suit tout ça avec intérêt, ouais, lui aussi. Regarde, Damien il a un bug, il est bloqué en mode dépassement, donc là il a plus de RS. Oh là 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 là, ouais, bloqué en mode dépassement, ah là là, et oui. Et là Fargos qui va en profiter, Fargos là qui a 40% de RS et qui va aller chercher... Ouais, le DRS sur Damien, c'est terrible, hein. C'est terrible pour Damien, hein, ce qui se passe là. Ah, il perdrait moins de temps, Deco Rocco qui a resté là, après voilà. Mais après, il faut l'inviter, je vais lui envoyer une invitation de réserve à Damien, et Damien qui se fait dépasser malheureusement. Oui, il n'y a plus de RS malheureusement. Ouais, c'est ça, il y a plus rien. Je lui envoie l'invitation à Damien. Voilà, c'est fait. Il lui cède peut-être une chance de revenir dans cette course. Et oui, et Damien qui va commencer à perdre énormément là, il perd sur tout le monde. Frost qui va passer, je pense. Et Marley qui a pris. Marley qui a fait le dépassement là, il a fait la jonction sur Fandaron, il l'a dépassé. Maintenant c'est Falco qui va aller chercher Fandaron. Fandaron, attention, peut-être petit bug de connexion là, en tout cas on le voit avec une seule barre de connexion. Ah, il commence à perdre tous ses moyens là. Et Chipper aussi, si tu pouvais lui réinviter, pareil il est bloqué, il a plus que 2% de RS. Chipper, je n'ai pas Chipper en ami malheureusement. Je n'ai pas Chipper non plus malheureusement. Je suis désolé pour toi Chipper, hein. Il faudrait demander à un de tes collègues qui a abandonné peut-être, je n'étais pas en ami. Ajoute-moi, je vais essayer de t'ajouter sur Steam. Il y a Napo qui demande si tu peux mettre aussi un peu de vue télé au lieu de faire que du onboard. Et Virginie qui dit que ça peut être un bug si tu mets le mode dépassement durant le tour de chauffe. En fait, tu restes bloqué. Et Damien, ouais, qui va. Oh, bah Damien qui sort là. Oh, Damien qui perd la voiture. Ça... Oh là 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 là. Aïe. Je pense, c'est le bot. C'est le bot, oui, c'est terrible hein, ce qui se passe ici là. Par contre, Damien a rejoint. Allez, Falco qui continue à mettre la pression sur Fandaron. Il va y aller. DRS activé, le RS est parti. Même pas de RS, il garde son RS et il y va. Ça passe là. Et oui, Fandaron qui perd tout. Et Marley qui revient tour par tour sur Seb Vettel. Il a gagné déjà 2 dixièmes là de ce dernier tour. Qu'est-ce qu'on a sous pression là... On a Julien là qui va chercher Ximax avec intérêt. Peut-être la Renault qui fait l'intérieur. Non. Ah, l'aileron qui a touché entre MT et Axel. MT qui perd la side plate. Terrible. Ah là 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 là, c'est terrible pour MT.
Non, non, c'est pas vrai. Ah là, c'est dommage, ça a été cherché à l'intérieur. Axel a fermé beaucoup, beaucoup trop. Ah ouais, mais là, ça perd la set plate. Ah, il va aller chercher. Ouh là 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 là. Ouh, et ça touche. Aïe 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 aïe. Et là, la McLaren qui va chercher ça avec intérêt. La McLaren qui fait l'intérieur. Ah là là, ça touche encore. Aïe, encore. Arrêtez, messieurs, on se calme. Dépassez mon ligne droite. Ah là 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 là, c'est terrible. Ah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux ajouter Shipper en ami? Ouais. Je vais regarder si j'ai le bon Shipper. Ouais, j'ai le bon Shipper. Il a tout perdu en déco recours. Bah ouais, il a déco dans le virage. Ouais, je comprends. Je t'ai ajouté un ami, Shipper. Après, à toi de m'accepter. Hein. J'aimerais que les intervalles se remettent là, s'il vous plaît, le jeu, parce que du coup moi j'ai plus aucune intervalle, je sais pas toi, moi j'ai plus aucune intervalle qui s'affiche. Ah, c'est le fait de déco Roco, j'ai que Dame c'est suprême moi. Ah, c'est bon, les intervalles qui reviennent au fur et à mesure. Ah, parfait, ça c'est bien ça. Alors, Falco qui maintient le contact, qui maintient le contact là, va y avoir une bagarre entre les deux. On attend des consignes d'équipe, hein. Pareil pour les deux Mercedes. Oh bah, oh là là. Ximax qui a raté son freinage, mais complètement. Ouh là 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 là. Et ça y revient, ça repasse à l'intérieur. Shipper qui se fait avoir. Attention, on a Julien qui va faire l'intérieur. Julien qui fait l'intérieur et qui prend la position. Attention de pas toucher Ximax, c'est bon, c'est passé. Ah, et du coup, Shipper qui est repris sur l'intérieur. Sur l'extérieur, pardon. Shipper qui a repris. Ça va en rester là pour le moment dans cet affrontement. Et Strigoon qui remonte, hein, il est 12ème. Pareil, son coéquipier Hervio, 14ème. Et Damien qui est au stand. Qui a enchaussé les hards, ça ira jusqu'au bout pour Damien, je pense. Il vient de t'accepter, tu peux le réinviter s'il te plaît, Cheaper. Enfin, tu peux l'inviter directement. Hop. Alors, dis-lui de si tu peux lui parler à Azura, dis-lui de le faire en ligne droite. Pas dans le secteur, pas à la fin du secteur 2, qui veut pas se retrouver dernier comme pour Damien. Alors, j'aimerais bien t'inviter, mon cher Cheaper. J'aimerais beaucoup. Seulement, vu que je viens de t'ajouter un ami, que je peux le faire que depuis ici, je pense que ça va être compliqué. Et on a Julien qui a passé sur Cheaper, Cheaper à l'agonie, hein, il a pu. Ah, je suis désolé, Cheaper, mais ton pseudo ne s'affiche pas. Ton pseudo s'affiche pas. Et c'est Metal qui est rentré au stand. Les 5 qui a pris 5 secondes. Ouais, ah merde, 5 secondes sur l'arrêt au stand. Là, ça nous donne. Attention, les deux As peut-être qui vont aller chercher dans la ligne droite. Non, ok, ça y va. Allez, peut-être Marley qui va activer le DRS. Le reste, est-ce qu'il active son DRS? Je sais pas. Il active pas son ERS pour aller chercher son coéquipier, donc là ça fait de l'économie. Qui a déjà tué une grosse équipe d'équipe. On va suivre les deux Mercedes. Et Chopper qui est au stand. Et les deux Mercedes qui se suivent. J'ai encore du mal avec le menu cette terre, veuillez m'excuser. Et du coup, Strigoon et Xanto qui sont en bataille. Ah, roue pour roue. Est-ce qu'il va faire ça à l'intérieur? Xanto, oui. Oh lolo, c'est chaud. Allez. Peut-être que la Force India va. Oh, le coup de raquette, l'énorme coup de raquette. Sur ce vibreur, il est traite ce vibreur. Et celui qui se lambine là, c'est Hervio, hein, qui est juste derrière. Ouais, lui il regarde. Comme dirait Dame, s'il a sorti le popcorn. Ah, 3 secondes de pénalité. Je sais pas qui c'était, mais. Non, allez, c'est Xanto qui est sous pression. Strigoon qui va aller dessus. Strigoon qui y va. Il rentre à l'intérieur. Les deux derrière vont rester sagement. Au final, j'ai pas. C'est roue par roue entre les deux pilotes. Attention à pas perdre la voiture. Non, Strigoon a lâché un petit peu. Oh, ça bloque, ça allume. Ah, y a plus de RS en tout cas chez Strigoon, il va pouvoir réessayer. Est-ce qu'il va essayer de le dépasser avant la ligne droite? Je pense pas, je pense qu'il va rester sagement derrière. Est-ce que MT se fait attaquer? Est-ce que tout le monde a vu Cheaper dans ta liste d'amis? Je crois qu'il réinvite, ils l'ont tous vu. Il est 5 ou 6ème apparemment, ouais. Oh, il est là, je ne l'avais pas vu, c'est bon, il est invité. Voilà. Prandaron qui chose des hard, et également Marley qui s'arrête. Alors, attention, c'est intéressant de voir où va ressortir Seb Vettel qui ressort et qui a bien un 10ème, ouais, c'est 10ème, mais tu vois là devant, il n'y a que des mecs qui ont. Seb Vettel qui ressort devant tout le monde, qui s'est arrêté, hein, devant tout le monde. Ouais, mais qui a déjà 5 secondes de pénal. Oui, il a 5 secondes. Bon, c'est une 5 secondes stop and go qui seront. Du coup, ce sera ajouté à la fin du compteur, mais. Allez, Frost qui va peut-être. Frost au cul, aux fesses, pardon, de Fire Ghost. Peut-être qu'il va y aller attaquer, je sais pas s'il va y avoir une consigne d'équipe.
Alors, en tout cas, ah, tiens, il y a aussi Marley qui s'est arrêté. Marley qui s'est arrêté. Et encore une fois, on perd magiquement les intervalles. C'est tout ce qui vous fait plaisir. J'adore ça. On adore. Allez, du coup, là, on a Marley. Ah, Marley qui est encore assez loin de sa vitesse. Sa vitesse qui finalement n'avait pas perdu tant de temps que ça. Hein. Regarde. Quand tu vois, là, il est à peu près 3 secondes derrière Seb Vettel. Ouais, mais il était à 1 seconde 5 avant l'arrêt au stand, donc il a réussi à gagner 1 seconde 5 quand même. Ouais, c'est l'undercut, mais encore en même temps devant, quoi. C'est vrai que, mais après, peut-être qu'il va avoir un petit peu plus de mal en fin de course. Je sais pas, on verra. Allez, ça rentre au stand pour Fire Ghost. Frost qui reste dehors. Ouais. Frost qui rentrera sûrement au prochain, et je pense, et c'est rentré au stand, hein, je pensais pour Falco. Axel, lui, qui rentre au stand aussi. Tous les gens en soft sont presque tous rentrés au stand. Il ne reste que Frost dehors. Avec 9 tours dans les soft, je pense qu'il va être perdant là-dessus. Hein. Il va être perdant, je pense. Alors, par contre, ce que je trouve étonnant, c'est que Supreme n'a que 3 tours sur ses médiums. Il a dû refaire un arrêt. Il a dû se repasser quelque chose avec Supreme. C'est un no man's land. Là, il est. Je sais pas ce qu'il sait. Mais Supreme, il a perdu la voiture, Supreme. Tu te rappelles? Oui, mais c'était déjà arrêté. Et je pense qu'il a dû se réarrêter une deuxième fois. C'est pas un problème. Alors, les intervalles, voyons voir qu'est-ce qu'on a là. Sous pression, on a Falco et Marley qui sont revenus. Un derrière les autres, et Strigoun qui est derrière Irvio. Mais Strigoun qui est sur une stratégie différente, j'ai l'impression, qui est parti en soft. Alors qu'Irvio est parti en médium. Irvio ira pite plus tard. Peut-être Irvio un médium soft, on sait pas. Mais ça va être un petit peu chaud. Et là, Frost qui va faire ses derniers mètres en soft avant de s'arrêter au stand. Qui est d'autre sous pression? Chopper qui est au cul de Axel. Ouais, Nebu qui va être sous pression par Seb Vettel après, mais ils sont pas du tout sur la même stratégie. Ouais, Damien là qui a tout perdu, qui est derrière Lordams. C'est terrible. C'est terrible pour Damien. Allez, est-ce que ça va aller chercher le RS? Ah, ça active le DRS là. Shipper, ah, ça ira pas chercher en tout cas, je pense, là, Shipper sur Axel. Il a les pneus soft de 1 tour, mais il a beaucoup moins de RS. Oula, Axel qui s'est complètement rentré dans le virage, il a pris beaucoup trop à l'extérieur et ça va permettre à Shipper peut-être de prendre dans la ligne droite. Mais bon, on va avoir Axel avec 60% de RS et Shipper avec 20% seulement. Ça va être peut-être compliqué. Ramaloki qui est passé sur Strigoun. Strigoun parce qu'il est parti au stand. Et Frost qui est rentré au stand comme on l'avait prévu. Ramaloki qui est deuxième de la course en partant avec ses soft. Allez. Ça va y aller là pour Shipper, ouais, c'est beaucoup mieux sorti que Axel et ça va y aller avec le RS simplement. Axel, je pense, Axel qui économise son ERS. Très intelligent. Pour Shipper, 29, 911. Et là, il a claqué tout son ERS, Shipper, il a plus rien là, Shipper, il a plus rien, il est à 9% de RS. 9% alors que Axel ouais, a eu, il a 60. Il n'a plus le bug. Il n'a plus le bug. Il a plus le bug, oui, mais. Ouais, mais ça va être compliqué. Oula. Ouh là là, qu'est-ce qui vient de se passer? Ouais, là je. Qu'est-ce qui vient? Axel qui a été terrifié. Oula! Axel qui a été terrifié! Oula là! Oula! Là, c'est un bot là! Là c'est le. Ah là c'est ouais. le. C'est la bande. Ça c'est l'arrêt sur piste là. C'est dangereux là. Ah c'est très dangereux là, Shipper, je sais pas ce qu'il nous fait. Il est sorti du virage 1. Oh là là, Shipper! Oula là! Et qui rentre dans le mur! Shipper, qu'est-ce qu'il fait? Voiture de sécurité déployée! Qu'est-ce qui s'est passé, Shipper? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui nous a fait là? Qu'est-ce qui vient de se passer? Axel qui a eu une peur de fou! Il alors a là, eu c'est intéressant. C'est intéressant de voir ce qui va se passer. Ah là, on va voir là ce qui va se passer. Bah là, je pense que. Irvio va s'arrêter, oui. Mais tu sais que. Oh là là, c'est tellement le mauvais. C'est tellement la bonne opération pour Irvio et pour Ramaloki. Ils sont incroyablement bien dans leur course. Ah bah là. Ramaloki qui va aller chausser les médiums, je pense. Et Irvio les hard. Ramaloki qui. Ouais, qui va aller. Oh, il reste en piste, Ramaloki! Oh là, il reste en piste! Ah, j'aurais. Non, là, fallait s'arrêter. Ah, j'aurais chaussé les médiums, moi, à sa place. Hein. Seb Vettel aussi. Hey, par contre, Seb Vettel qui fait la mauvaise opération, je pense. Seb Vettel qui aurait pu tenir ses serres jusqu'à la fin, il aurait pu garder de la place. Ah oui, c'est pour effectuer sa pénalité également. Ouais, mais non, il met les médiums quand même. Je comprends pas là, l'arrêt de Seb Vettel, c'est dommage. Je suis sceptique. Et on se retrouve avec les deux As devant. Au devant de la course, c'est. Ouais, écoute, moi je reviens. Est-ce que le pilote va bien? je reviens une petite seconde. Vas-y, je t'en prie. Bon, bah voilà, on a. Toutes les cartes sont redistribuées. Donc là, on a. Ouais, 11 pilotes en hard. Ramaloki, je pense que c'est. Un pari très très risqué, à moins qu'il espère une autre safety car en fin de course, j'y crois pas trop.
Bon, en tout cas, ça va permettre du coup à Dams, à Damien et à Suprême de revenir. Alors, je répète, Damien a pris 5 secondes de péna pour vitesse excessive sous safety car. Il n'a pas assez ralenti, c'est dommage. C'est dommage, voilà. Donc, on a plus qu'à attendre. Hein. On va avoir peut-être 2 ou 3 tours d'attente. Et ce qui s'est passé avec Chipper, incompréhensible. Peut-être une déco du volant, apparemment. Enfin, ça pourrait être ça. Excuse-moi, mais revoilà. Allez, on est toujours sous régime de safety car. Ramaloki devant avec ses pneus qui ont 11 tours. Et la bonne opération qui est faite là par. Comment il s'appelle, celui qui s'arrêtait juste avant. Je crois que c'était Julien qui s'était arrêté. Qui était sur des médiums. Qui cut sous safety car. Il n'y a aucune raison de cut sous safety car, messieurs. Aucune raison de cut sous safety car. C'est pas bien. C'est pourtant pas compliqué d'être au ralenti. Je rigole, évidemment. Mais il faut faire attention, hein, c'est... Non, c'est vrai, il faut faire attention, hein, surtout qu'en plus, ça ne pardonne pas, hein, les cuts sous safety car, ça peut vous arriver de prendre des fois 2 secondes, alors que normalement, on prendra juste un avertissement. Faire attention, hein. Et Shipper qui a quitté la session, je n'ai pas absolument pas compris ce qui s'est passé pour Shipper. Non, mais moi, ce que je pensais, c'était peut-être à la rigueur un déco, je sais pas s'il roule au volant, mais peut-être un déco volant, ce qui fait qu'il aurait rétrogradé à fond, il aurait ralenti. Après il a foncé dans le mur, hein. C'est peut-être un rage kit, hein. Je sais pas, en tout cas il y a eu quelque chose, après c'est vrai que je l'ai vu sur le live, on l'a vu, hein. Moi je l'ai vu en onboard là, bah oui parce que c'est moi qui fais le live, MDR. je l'ai vu, là où est la safety car actuellement, il allait en diagonale sur la gauche. Il allait presque dans le mur et puis il a fait quelque chose, ouais, de bizarre et il est revenu d'un coup sur la piste comme s'il avait rebranché son volant et que le volant avait bougé le volant d'un coup. C'est étrange, hein, ce qui s'est passé. En tout cas, voiture de sécurité, ça va faire économiser des pneus aux pilotes qui ont chaussé des hards. Et moi, je serais vraiment, mais vraiment, à la place de Ramaloki, parti sur des médiums avec la voiture de sécurité. Là, il aurait utilisé, il aurait économisé 2 ou 3 tours de course. Et il aurait emmené les médiums jusqu'au bout. Vraiment, ça aurait pu être une opération incroyable. Je ne comprends pas son choix. Ah, apparemment Chipper qui dit sur Discord trop de bugs de Codemaster pour le coup. Bug du jeu, écoute, si t'as la possibilité de nous donner ta POV aussi, ce serait pour voir ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, la voiture de sécurité devra rentrer, peut-être pas ce tour-là, mais le tour d'après, sûr. Ce tour-là, je pense, ouais. Son tour-là, tu penses? Et sorti tour 11 le tour d'après, ouais, c'est pas impossible, ouais. Et Suprême, lui qui s'est arrêté, mais avec les médiums sous la safety car, mais qui est dernier, qui en tire presque aucun bénéfice. Damien qui est loin, qui est très très loin de Damien, qui était 5ème en qualification. C'est très très dommage pour lui. Axel, lui qui fait une très bonne opération, pourtant dernier, il est 9ème. Ce tour là. Et voilà, ce tour là. Ouais. Par contre, regarde, on dort. Très bonne opération. Des As, la Red Bull de Axel aussi, qui a fait une très belle opération. Il est parti dernier avec des softs. Il est 9ème avec des hard 9. Allez, ça chauffe les pneus là, il y a des pneus hard partout là, il faut les chauffer les pneus. C'est Ramaloki qui va donner le rythme de cette reprise. On va voir quand il va accélérer. Est-ce qu'il y va? Ouh, il a ralenti! Il y va! Ah, il a surpris tout le monde là, il a très très bien joué Ramaloki. Et c'est Fandaron qui a arrêté. Et drapeau jaune, c'est bon, non, pas trop. Ça s'est passé tout de suite. Oh, est-ce que ça y va? Ok, non, ça s'est décalé pour voir la trajectoire. Axel sur Julien, Axel sur Julien. Et c'est passé sans souci. Xanto aussi est passé sur l'intérieur. Nebu, oula. Oula là, Nebu qui a tout perdu. Il a tout perdu, Nebu. Ouh, Xanto! Xanto qui spin. Sans trop de mal, les pneus. Non, il n'y a pas de mal, mais il spin, c'est dommage. Il perd toutes ses places là. Il a tout perdu là, Xanto. Allez, on va faire une petite rétrospective sur les détails. Au niveau des changements de vision par rapport au début, Ramaloki qui a gagné 18 places mais qui doit toujours s'arrêter. Les deux As qui gagnent 3 places chacune. Axel qui fait l'énorme opération qui gagne 11 places. Damien qui a tout perdu, moins de 12 places. Aïe 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 aïe. Et Damien qui s'est fait dépasser par Suprême. Ça se bataille entre Suprême et Damien. Ah, c'est side by side. Ça touche. Ouloulouloulou, ça touche. Ouh, il y va. Aïe 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 aïe. Ça touche encore, ça tasse. Ah, c'est pas beau ça, messieurs, c'est pas beau. Et devant, là on a la caméra de Lord Dams sur l'affrontement. Est-ce que Damien va rester à l'intérieur?
Suprême, oh, ça touche! Aïe 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 aïe, ça touche encore, messieurs! Doucement! Oh là 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 là! Doucement! Allez, ça sort trop large là, ça a dû prendre un averto pour Suprême. Ah, Suprême qui est énervé là, Suprême qui est pas content. On va voir ce qui se passe au fond là. Dans la ligne droite, qu'est-ce qui va se passer? DRS pas encore activé, il me semble. Allez, ça y va là. Allez, Marley qui engage. Marley qui engage sur Ramaloki, ça va passer sans souci. C'est passé sans aucun problème. Falco, est-ce qu'il va essayer? Non, derrière, ça dépasse pas. Oh, Axel qui fait l'extérieur. Ouh, c'est Vettel qui a failli perdre son aileron là. Sur Hervio, c'était dangereux. MT qui est passé sur Nebu. Nebu qui prend, commence à perdre beaucoup. Même si en soi, en position, bah il a ce qu'il faut, hein, mais. Ouh là là, Nebu! Seb Vettel, les 3 secondes, les 3 secondes pour Seb Vettel. Allez, Falco qui va mettre peut-être la pression. Oh, ça bloque les pneus là, messieurs. Allez, on se met en PO, on se met en PEV sur Falco. Est-ce qu'il va tenter? Non, je pense qu'il va attendre les lignes droites pour y aller. Frost qui est assez proche, hein, de son équipier. Là, tout le monde est impacté. C'est assez dangereux en reprise, oh, il faut faire attention. Qui raconte ménage, attention. Et à Marley qui a mis Marley qui met déjà une seconde à Ramaloki. Et ça fait pas les affaires de Falco ça, parce que Falco il suivait à la trace Marley. Mais en tout cas on est déjà sur un 1-2 provisoire d'Eas là, c'est très bonne course d'Eas. Les Mercedes sont très bien aussi, Fandaron lui il est bien. Il observe attentivement ce qui va se passer entre Falco et Ramaloki. Il espère peut-être un accrochage. Allez, on va voir en caméra du dessus. Le dépassement peut-être. Alors apparemment l'aileron d'Axel serait légèrement... L'aileron gauche peut-être. Allez, DRS activé et ça y va. Ça va y aller pour Falco sur Ramaloki. C'est passé. Est-ce que Fandaron va pouvoir tirer son épingle? Non. Et ça dépasse pas, ça dépasse pas. Les autres pilotes ne dépassent pas. Et les deux, ce qui ont pris la tête de la course. Le JP, le BG, sa mère, je te confirme. Axel a un aileron endommagé. Il n'a plus le flap à gauche. Ah, Axel qui a l'aileron endommagé. J'ai pas vu ça sur le live. Eh oui, ah là là, c'est dommage. Et là, ça a beaucoup de rythme perdu sur un circuit comme ça. Ouais. Vettel qui a repris encore 3 secondes. Ouais, comme Dams, hein. Je ferai un petit peu un point pénal après, mais Dams. Oh là là, Ramaloki qui a perdu 2 places, on l'a pas vu. Ouh là, Frost à l'intérieur. Ça a cassé pour Frost. Peut-être la side plate à gauche. Eh oui, ça a cassé. Ouh, l'aileron, on l'a vu sauter là. Attention, Ramaloki, attention. Ouh là là, Frost qui rate son freinage. Oh là 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 là. Le profil d'Aximax qui patine à fond. Ouh là là là. Ouais, c'est. Allez, Frost qui a perdu son aileron, mais qui va quand même y aller. On va voir du point de vue derrière ce qui se passe. Ouh, ça touche. Et ça casse aussi, je pense. Ça casse aussi pour l'Alfa Romeo. Non, ça casse pas. Oh là, par miracle, ça ne casse pas. Ça a touché fort. Ça a touché Frost, très fort. On n'a plus d'appui, Frost. Et ouais, et Fire Ghost qui va s'envoler là. Et Frost qui a perdu 2 secondes déjà sur son coéquipier. Fire Ghost qui va suivre à la trace. Et là c'est Fandaron qu'on va suivre là. Qui a raté son freinage. Il est parti un petit peu large. C'est Fire Ghost qui va en tirer l'avantage. On sait pas. Il active pas son DRS. Il a pas activé son DRS, Fandaron. Je pense pas qu'il est au courant qu'il l'a. Alors, il va pas à l'intérieur. 3 secondes. Ramaloki arrêt au stand. Donc là, ça va être pour chausser. Les médiums. De 12 tours. Ça ira sur des médiums. Allez, c'est parti. Fire Ghost. Fandaron qui y va, pardon. Sur Falco. Il va peut-être faire l'extérieur. Ça y va. Ça touche pas. Oh, ça réaccélère peut-être un petit peu mieux. Non, ça ira pas. Ça va rester derrière. Damien qui prend le meilleur tour en médium. Damien qui est performant hein, mais qui a eu ce maudit bug, c'est dommage pour lui. Et Fargos qui reste au contact. Frost qui a totalement lâché. Frost qui a totalement lâché le peloton, c'est terrible là, l'aileron là. Gmax il ralentit tout le monde également avec son aileron cassé là. Ça peut être dangereux, ça peut être. Tu vois un aileron cassé sur Gmax toi? Non mais par contre il ralentit tout le monde, dans tous les gars. Ah ça glisse hein, pour Frost. Ah là, c'est la battle pour la deuxième place là. Un pilote A, c'est le pilote Renault, le pilote Mercedes. Je ne sais plus sur qui a cassé son aileron, sur qui Frost a cassé son aileron. J'espère que c'est pas sur Fire Ghost, hein. Ce serait dommage pour l'équipe. Et il me semble pas que ce soit sur Fire Ghost, hein. Je crois que c'était sur Ximax qui était juste derrière, qui était sur le côté. Allez, là, on va aller sur la ligne droite, attention. Le coup du dragon. Attention, ouais. Allez, je pense que ça va y aller là.
Arrête les passements, il y a plus de RS du côté de Fandaron. L'extérieur qui est peut-être fait. Ah, le déplacement, voilà, trajectoire sous le freinage, c'est pas beau ça, c'est pas beau. Et celui qui se fait plaisir, c'est Furgos qui va prendre l'avantage. Peut-être meilleure sortie. Et Suprême, et MT qui se bagarre. Et oui, c'est passé. Suprême peut-être qui va passer. Et non, parce que MT a le DRS. Allez, et Fandaron. Fandaron et Falco. C'est Bettel qui casse son élan. Ah là là, terrible. Et là, on a Fandaron. Fandaron et Falco qui se bataille là, ça a essayé de faire l'intérieur. Ouh là là, c'est pas loin. Et Firegos qui est directement au cul, qui ressort peut-être un petit peu mieux. Ça le met en danger, Fandaron là, il est exposé à Firegos. Firegos qui va peut-être aller chercher l'histoire là. Ah, ça met le RS, mais ça ira pas chercher là. Il a pas pris une bonne accélération, Firegos. Et Fandaron qui a plus de rythme, hein. Il a plus de rythme que Falco, mais il fait des moments un petit peu compliqués. Et là, et s'il y en a un que ça fait plaisir, là c'est Marley qui prend 2 secondes 3 d'avance sur son coéquipier et qui s'éloigne. Hein. Il nous fait une Hamilton, là, notre petit Marley là. Moi, c'est Suprême que je vois ce TP de temps en temps. Allez, la battle pour la deuxième place. Ça fait à peu près 2 tours qu'on y est maintenant. Le peloton qui est fait là, le peloton aussi qui est dirigé par Ximax, qui dirige un gros peloton là. Et moi je pense que Strigoun, lui, il veut sa part du gâteau, il veut passer Ximax, il veut absolument, il a 84% de RS. Et ça va y aller. Ah, ça ira pas chercher ici, peut-être Strigoun qui va aller chercher sur Axel. Là, ouais, Dams qui a pris, Seb Vettel qui a perdu 2 places, Seb Vettel. Oula, attention Axel, et ça a recassé, oulala, le dive bomb de Suprême. Ça glisse, ça glisse. Y'a un aileron de Renault, là, j'ai vu un aileron de Renault par terre. Oh là 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 là, c'est Fandaron qui a plus d'aileron, ça a touché. Ça a touché, il a plus de sideplane sur le côté. Il perd tout, Fandaron. Il a plus d'aileron, mais plus rien sur le côté droit. Ah là là, c'est terrible. Pas de dégâts à l'aileron avant, en tout cas pour ce qui est du peloton à l'avant. Peut-être qu'il y a eu aussi un dégât d'aileron sur Falco. Non, il y en a pas. Ah, Fandaron, j'ai vu un aileron de Renault passer et je voyais que c'était pas empty. Ah là là, c'est dommage pour Fandaron qui faisait une bonne course, la bonne qualif et tout. Ah, partie première, la quatrième avec un aileron cassé. Après, il y a Frost derrière, hein, faut pas oublier. Il y a Frost derrière qui a aussi un aileron cassé. Il reste 10 tours. Alors, hein. Si tu veux, on peut se faire un petit point P1. Petit point P1. Donc, Cheaper a abandonné du coup. Donc, ça c'est terminé. Nebu, 3 secondes pour avertissement répété. Ensuite, on a Seb Vettel, il a effectué sa pénalité. Dans la voie des stands, Suprême, la deuxième pilote Ferrari, pareil, 3 secondes de pénalité. Ça le temps pour les Ferrari, on va dire. Dams, 3 secondes, et il a repris 3 secondes juste après Dams. Allez, Strigoun qui va peut-être y aller là sur ce mouvement là. Il est collé à l'aileron arrière d'Axel. Il veut sa part du gâteau, il a 70% de RS. Je sais pas sûr qu'Axel. Axel n'a plus rien en ERS, Strigoun est vraiment en avantage. Est-ce qu'il va tenter l'intérieur à Strigoun? Et non, Axel va résister. Mais Strigoun va peut-être prendre une meilleure sortie là, il va activer tout ce qu'il faut. Allez, il peut y aller là. Fandaron 3 secondes, Xanto 3 secondes également. Et les pilotes Ferrari, ils les collectionnent les deux, ils doivent être à 6 secondes chacun avec Dams. Ah, c'est terrible, hein. C'est terrible pour Fandaron et Steve Vettel. Hein. Les deux avaient fait une qualification incroyable et on les retrouve dernier, c'est dommage. Allez, ouais, les leaders de qualification là qui sont au fond là, Fandaron, Seb Vettel, Damien, ils ont tout perdu ces bonhommes. Et à l'inverse, Strigoun qui commençait vraiment bas dans le classement avec Axel, ils sont 6ème et 7ème. C'est la très bonne opération pour eux. Hein. Ah là là, Marley qui est dans une autre course là, hein, qui fait sa pace. Il a 95% de RS bientôt, il économise de fou, il a deux fois plus de RS que son coéquipier. Suprême qui vient de Strigoun Julien. Un trou de souris. Allez, peut-être Julien qui va y mettre. Ah, MT qui colle et Julien qui prend 3 secondes de pénalité en sortant un petit peu large. Ouh là là, le train. Attention messieurs. Ah, tout le monde va dépasser tout le monde là. Ouais, et puis là il y en a dans tous les sens. Je sais pas trop qui regarde Firegos sur Falco. Non. La Ferrari de Suprême peut-être sur quelqu'un. Ouh, non. Ça touche, non, il n'y a pas de dégâts, attention, Falco, attention à ne pas. Ça s'est pas attaqué. Alors, au freinage, attention, Firegos va tenter l'extérieur.
Et c'est Falco et Fire Ghost qui se battent là. Et Fire Ghost qui est passé. Oh non non, ça touche. Non, ça spin pour Falco, c'est terrible. Attention à Frost de pas toucher, attention à Frost. Oh là 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 là, c'est dangereux, où est-ce qu'il est? Oh là 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 là, c'est super dangereux ce qui vient de se passer. Oh, oh, c'est terrible pour Falco. C'est terrible, Falco qui abandonne. Peut-être safety car sur là-dessus. Il est sur un côté de la piste qui est un peu dangereux là. Ah bah il est en extérieur de virage là. Ah là là, peut-être. Ah là, il rattache une safety car. Mais je ne pense pas, c'est la fin de la course. Je sais pas, je sais pas. Là pour le moment on a juste la fonction du drapeau jaune. C'est dommage Léas qui faisait une opération incroyable. On a toujours Marley. Marley est toujours là premier, il fait sa course. Mais c'est dommage. C'est dommage. Il y avait tellement, tellement énormément à perdre là-dessus. Ah là là, il y a rien qui est déployé là. Ah c'est le... Allez Axel qui va essayer d'aller chercher sa part du gâteau sur Ximax, mais il faut pas oublier qu'Axel il a un aileron cassé hein. Mais il s'en sort bien je trouve hein. Suprême aussi derrière un aileron cassé. Strigoon par contre lui a son aileron. Axel sur le podium hein. Axel sur le podium, ça serait vraiment la performance hein. Ouais. Là Strigoon qui va aller chercher là Suprême. Est-ce que Suprême a de Suprême a plus rien en dépassement et ça va aller chercher pour Strigoon, ça y va. Sur l'intérieur, ça passe sans souci. La menace d'Axel, attention. Axel, oh là là. Ok, c'est bon. Oh là là. Ouais, c'est pas une bonne ligne à qui l'a pris Axel là. Et Suprême et Strigoon. Suprême qui reste à l'extérieur, mais Strigoon qui a peut-être une meilleure sortie, donc il y aura le DRS, mais ça suffira pas pour aller chercher. Ça ira pas chercher l'intérieur, je pense. Oh là 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 là. Oh mon dieu, heureusement que ça laisse de la place à la part de Suprême, sinon c'était l'aileron cassé, l'aileron côté gauche de la part de Strigoon qui aurait pu être cassé là-dessus. Faut faire attention dans ce virage, hein. Quand on est trop loin, il faut pas aller faire le dive bomb. Ouh là là, attention, ça hausse Strigoon. Ça a touché. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des dégâts du côté de Strigoon. Et là, celui qui se fait plaisir derrière, c'est Julien qui est revenu sur le. Suprême, faut qu'il apprenne à lâcher. Ouais, là, c'est compliqué. Ça devient compliqué là. Axel qui veut aller chercher Ximax, hein. Il n'abandonnera pas. Il faut rester fair play. Après, on va avoir Suprême et Strigoon qui vont avoir des difficultés hein, sur leur pneu. Ils sont en médium. Il reste encore 6 tours, 7 tours. Ça va être compliqué hein, pour eux. Strigoon. Ouais, là, ça défonce les pneus. Ça perd du temps précieux. Là, c'est. Allez. Faut qu'il prenne le meilleur exit là, Strigoon. Ouais. Ça se voit pas exceptionnellement, forcément à l'écran. Mais il a pris une meilleure sortie, je peux vous l'assurer. Et c'est Julien, hein, Julien qui est juste derrière là, qui a faim. Julien, peut-être qu'il prend une meilleure sortie. Ah oh oui, Julien qui prend une bonne sortie, mais Strigoon là devant qui va aller chercher à l'extérieur, Suprême. Et c'est fait. Et oh, il se fait passer des deux côtés. Oh là là, Suprême, oh là, il là, a perdu Suprême. Deux places. Et peut-être que MT va peut-être vouloir aussi sa part du gâteau. Il va prendre bien l'extérieur en rentrant à l'intérieur. Oh, oui, ça touche. Non, Strigoon dans le mur. Terrible. Oh non, Suprême, qu'est-ce qui s'est passé? Attention, le retour en piste. Oh lolo, non. C'est voiture sécurité virtuelle, peut-être que Damien qui va devoir laisser la place à Strigoon, oui. Oh là 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 là, Suprême, c'est pas beau, ça, c'est pas ça qu'on non, veut voir. Non, j'en veux pas voir des choses comme ça, c'est pas beau. Aïe. Et ouais, du coup, Julien qui avait la place. On n'aime pas voir ça. Ah, il faisait une sacrée course là, il perd tout malheureusement. C'est voiture sécurité virtuelle qui va se finir avant même qu'il puisse atteindre le début du secteur 3. Strigoon, ça va être très compliqué pour lui de revenir de la course par rapport à ça. Je pense qu'il doit être très très déçu. Hein. Ah là là, la déception. Et voilà, c'est fini. DRS activé, on est reparti. Et Axel là qui est directement. Il va se manger le mur de Berlin en réclamation, lui c'est foutu. Allez, c'est lui, il a même pas à tourner quoi. Il y a plus rien là. Et Axel là qui arrive directement au cul là. Non, c'est Damien. Il y a Damien aussi qui. Ah oui, Damien qui est à Strigoon, mais là je suis sur le peloton un petit peu devant là. Axel qui veut aller chercher sa part du gâteau là. Il veut. Ouais, et c'est. Arrête-toi. Suprême, mais. Allez, et c'est MT qui va aller faire sur Suprême. Oh là là, ça décale tard, Suprême. On est pas en karting là, messieurs, on est pas. Oh là là, ça force. Oh là là, attention. Oh, heureusement qu'il a. Oh là là, c'est n'importe quoi. Oh là, c'est beaucoup trop dangereux ce qui est proposé par Suprême là. Ouais, c'est. C'est pas beau. C'est pas la hauteur. Il va lui revenir dessus, attention, l'aileron avant, messieurs. Oh là 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 là. C'est le même genre de bataille qu'on a vu en Lixie entre les Red Bull.
Il faut faire attention, hein, ça a fini tragiquement. Allez, peut-être qu'il va y aller là. Oui, attention. Waouh, mon dieu, MT 83 de souris. Attention, attention au freinage. Ah, mais il reste un intérieur suprême. Ok, MT c'était, c'était très beau. C'est très beau ce qu'a fait MT. Il a pas envie de me ressentir. Il y va, allez, il met tout. Allez, allez, il faut lâcher là, suprême. Il faut lâcher. Il faut lâcher la position là. Voilà, c'est bon. Il y a MT qui est passé. Et Dams qui observe, derrière, et Dams qui a fait pas une très bonne course du tout, mais qui est dans les points. Ouais, c'est vrai qu'il est... Il a eu des problèmes dans sa course, hein. Et là, il y a toujours la bataille là pour la quatrième place. Et là, c'est Julien là qui met la pression sur Axel. Axel qui a tout essayé hein, pour aller dépasser Xibax, et ça ne va pas. Hein. Est-ce qu'il va y aller, Julien? On est en vue sur Julien, est-ce qu'il va y aller? Ça se rapproche pas assez, il y a plus de RS chez Axel. Il y a plus rien chez Ximax. Est-ce que Axel va y aller peut-être sur l'extérieur? Ça y va! Attention! Oh, oh mon dieu, messieurs, doucement! Non, ça touche! Oulala! Là là. Ouais, et là, c'est Julien! C'est Julien qui va peut-être aller chercher! Non, Julien qui a pris une bonne exit, malheureusement. Julien, allez, là, on a Nebu qui suit Lord Dams, là, les deux coéquipiers chez AlphaTauri. Qui doivent se dire. Oulala, ou les deux! Axel toujours devant! Non, ça va mieux ressortir pour Ximax. Ça va se toucher. J'ai pas vu l'action, c'est dommage. Ah bah côte à côte à l'arrêt Axel, mais ouais, l'extérieur. Ouais. Est-ce qu'il va aller chercher la terre peut-être Axel? Non, c'est pas stratégique de faire là. Ouh lolo. Oh, c'est pour Julien qui a dû esquiver à l'extérieur. Oh, le bug! Le bug d'Axel! Axel qui a eu un gros rollback qui a perdu 3 positions, c'est terrible! Oh là là, c'est dommage! Attention les ailerons! Waouh! Ici, ça on casse très facilement les ailerons, mais si on fait attention, on est buqué derrière Dams, ça continue. Et là, Frost qui fait quand même une belle opération, même avec un aileron cassé. Il reste 2ème et 3ème. Mercedes, ils font 2ème et 3ème. C'est très beau. Marley aussi, qui fait MT sa course. Aussi, belle opération d'MT. Ah ouais, c'est beau là. On va voir les gains de position là. À la fin de la course, ça va être assez impressionnant. Là, ça lâche pas entre MT et Axel. Ah, il y a Julien qui veut avoir la place. Axel, moi je le vois loin, je le vois à 2. Ah, Axel, il a peur. Ah oui, il a re-eu un rollback là. Il était. Il en a re-eu un. Là, Suprême, il est sur lui. Allez, là, on a Julien, on a Ximax, Julien et MT qui se battent pour la 4ème place, pardon. Julien qui a peut-être y aller. Ça zigzag, le coup du dragon, là. On n'est pas sur la dernier tour, là. Allez, ça va passer pour Julien, je pense. Ça fait l'extérieur, attention. Il faut faire attention. Et ça touche presque. Sous les yeux de Dan, ça a l'accélération. Julien, il laisse pas beaucoup de place, Suprême, 3 secondes de pénalité. Avec Ximax hein, qui ferme des portes assez violemment. Attention, Dame sur Axel qui va prendre la 8ème position. Oh, attention, messieurs! C'est pas Adams qu'il faut la faire. C'est pas Adams, on fait attention aux ailerons. Non, faut pas chercher la Dams! Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Dams. Mais non! Oh, ah, les coéquipiers qui se touchent, c'est terrible! Oh là 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 là! Non, c'est terrible! Damien qui a plus d'aileron, je crois! Oh, les deux AlphaTauri qui ont plus d'aileron! C'est terrible ce qui se passe entre les coéquipiers là. Non. On avait cherché Red Bull, il ne fallait pas faire ça. Il fallait pas. Ah là, l'attaque de Dams qui était. L'attaque de Dams, il a freiné trop tard et il a perdu le contrôle. Et Nebu qui a pas pu éviter parce qu'il collait Damien. Ah là là, c'est terrible. Va y avoir du travail à la IFI, à mon jeu. Ah là, il va falloir. Après, je pense que c'est pas spécialement la faute de Nebu, il pouvait rien faire. Hein. Il était passager dans cette opération, c'est Dams hein, qui allait chercher un petit peu trop loin. Et oui, Fandaron qui prend une collision grave. Oh, ça se bataille beaucoup là derrière. Oh là 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 là, Dams qui prend un sandwich, Dams qui a tout perdu. Et oui, parce que Dams n'a plus d'aileron. Aïe aïe aïe, Nebu aussi qui perd tout. Xanto qui reprend dans les points. Et Damien qui va aller chercher le point qu'il avait perdu, Nebu qui prend 3 secondes de pénalité, et oui à cause de ça, et ça se bataille entre Ximax et Julien qui fait l'extérieur, est-ce que ça va aboutir cette fois? Oui, ça aboutit. MT qui va peut-être vouloir sa part du gâteau, attention, oh là 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 là. Ça aurait pu toucher. Ça va y aller, attention, prend Daron sous la menace de Seb Vettel. Julien qui est passé. Attention au décalage, non c'est bon, ouais. Ça va le faire, ça va passer. C'est passé pour cette Vettel. Oh là là, peut-être que ça maintient l'extérieur pour Fandaron. Non, ça ne maintiendra pas malheureusement. Allez, Fandaron qui passe une course abominable. C'est très très dur là, c'est très très dur pour Fandaron. C'est très très dur pour cette Vettel. C'est très très dur pour Dams, Nebu là. Strigoon aussi. Ah là là là, c'est très 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 dur. Ramaloki qui parle de remonter dans les points. Damien, les deux Red Bull qui sont dans les points là. C'est pas très, c'est pas loin, mais c'est déjà ça.
Et là, les deux Mercedes qui sont très très bien là, les Mercedes qui vont claim 28 points ce soir. Allez, MT. MT qui va aller peut-être aller chercher Ximax dans la ligne droite. Il va falloir passer Ximax, MT. Hein. Il a des. Ximax a un aileron en moins. Il va falloir la chercher pour peut-être rester au contact du jeu. Il reste que deux tours. Hein. Ça va être compliqué pour MT d'aller chercher Julien. Ximax va pas lâcher l'affaire pour perdre sa position, je pense. Mais je pense qu'avec l'aileron, c'est possible. Après, c'est vrai que c'est pas le fait de pas avoir d'aileron. Désavantage pas tant que ça en ligne droite. C'est la ligne droite où sont les dépassements. C'est. Ah, ça bloque les roues pour Ximax. Est-ce que ça prend une accélération peut-être pour. Pour Julien, pour MT pardon. Allez, on se met en vue haut, ça active le DRS. Y'a plus de DRS pour Ximax, et ça y va. MT qui passe. Ouais, ça va passer. Et oui, Ximax qui s'est déjà rabattu, il sait que ça ne sert à rien de continuer. Ximax, attention, voilà. Avec Ximax. Allez, Exanto qui va peut-être aller chercher Axel là. Axel K, on le rappelle, un aileron cassé. Et Damien qui est aussi derrière là. Les deux Red Bull se retrouvent. Exanto en sandwich. Est-ce qu'il va dive à l'extérieur? Dive à l'extérieur, peut-être que ça se fait. Oh, c'est beau ce qui se passe là. Il était beau celui-là, bravo. Ah ouais, celui-là il était très très beau. Très très beau, et ça bloque les roues pour Frost. Hein. Et peut-être que Julien va aller chercher Frost dans les derniers tours, c'est pas impossible. Il est qu'à 1 seconde 7, il est pas loin. Et ça y est, MT qui a passé Ximax, on l'a pas vu mais il l'a passé. Allez, on va suivre. On l'a vu dans la ligne droite. Il avait que plus de MT. On l'a vu, pardon. Oui, on l'a vu, ouais. Alors, Axel. Axel en suprême qui est toujours en piste. Ouh, ça va être compliqué. Allez, ça pousse là pour Julien, Axel qui va essayer d'aller rechercher Frost, mais il est sous pression de la peau de Xanto. Il y a Damien qui veut gagner ses positions aussi. Il veut reprendre. Et il pourrait normalement, Damien, je comprends pas. Il a pas de dégâts à l'aileron, hein, Damien. Il pourrait remonter, il est plus rapide que ça normalement. Hein. Je sais pas ce qui lui arrive, mais ça marche pas là pour Damien. Ouais, je ne sais pas. Et on est déjà au tour 29 sur 29, apparemment. C'est le dernier tour, ça y est, on est rentré. On a enchaîné le dernier tour, là. Je pense que ça va être compliqué pour Julien de revenir sur Frost, malheureusement. Ah, par contre, on a Axel sur Suprême, c'est l'ultime chance. On a Xanto également qui est collé. Allez, il va y aller, Axel, il va y aller, Axel. Oh, ça décale. C'est le moment de tenter, restez propre, messieurs, restez propre. Attention, Suprême. Est-ce que Suprême. Oh là là, non, Suprême, ça touche, c'est pas beau. Et Suprême qui perd aussi la place sur Xanto. Il cut. De toute façon, il a 9 secondes de pénal, donc dans tous les. Oh, attention! Ça touche avec Xanto. Et Damien qui va aller chercher la place peut-être. Oh là là, ça touche! Ouh là 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 là, Suprême, il nous annonce. Suprême qui est trop touche encore, qui pèle l'aileron. Non, attention! Damien qui est derrière! Aïe aïe aïe, ça touche pas! Suprême! Ah, Suprême, non! Mais qu'est-ce qu'il nous fait, Suprême? C'est n'importe quoi! Ah! Allez Julien, il va peut-être aller chercher les Frost, ça va être peut-être un peu compliqué pour lui. Hein. Ah là 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 là, Ravaloki qui est à la porte, ouais mais bon. Je pense que Ravaloki va passer 10ème avec les pénalités de Suprême. Hein. Je pense que Ravaloki va passer 10ème, hein. Suprême va prendre beaucoup de pénalités. Et je pense que pour Julien, ça va pas concrétiser sur Frost. Damien éclate son aileron sur Suprême. Oh là 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 là. Et du coup, celui qui est derrière, c'est Ravaloki. Le gagnant c'est Marley, ça y est. Et le gagnant c'est Marley, effectivement. Oui. Bravo à Marley. Alors attention avec les pénas, est-ce que c'est. Très très belle course, mais de bout en bout par Marley, c'est très très bon. Et Frost qui va passer. Et MT qui passe devant Julien au jeu des pénalités. Ximax, Axel, qu'est-ce qui va se passer pour Axel? 7ème, il reste 7ème. Xanto, Damien. Et oui, Suprême qui descend, Ramaloki, 9ème pour Ramaloki. Suprême qui va descendre, Seb Vettel aussi, ils vont descendre. Et Yavio qui est dans la porte des points, les deux McLaren dans les points, les deux Mercedes dans les points. C'est beau. Et Julien, MT qui ont fait une superbe course. Marley, une course incroyable, il s'est baladé toute la course. Il est resté devant de bout en bout, impressionnant le pilote. Dégoûté, il franchit même pas la ligne d'arrivée, il va freiner avant. Non, c'est bon. Ah là là, Strigoon qui est au fond, hein, malheureusement, c'est vrai que c'est dommage qu'il lui est arrivé. Dame, ça très haute. Très déçu. Et Dams qui vient finir ce Grand Prix de Bahreïn. Beaucoup d'émotion dans ce Grand Prix. C'était beau. Ouh là 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 là. Ah, il s'en est passé des choses. Hein. J'ai la voix qui flanche. Axel qui pilote du jour, important de dernier, qui finit 7ème, je crois. Bravo à lui.
Oui, sachant qu'il y a eu des soucis aussi pendant la course. Un pilote du jour, je voterai Marley. Personnellement, il a mené la course de bout en bout, il a fait aucune erreur. T'inquiète pas, ça va être traité en FIA, tu sais bien, c'est comme ça. C'est beau ce qui s'est passé. Voilà, on retient quand même de belles batailles. On retient une belle course et un double podium des Mercedes. C'est ça, un double podium des Mercedes. Une victoire écrasante du pilote Haas Marley. Dommage pour Falco, son coéquipier qui aurait pu être là. Et qui, non, malheureusement, a perdu la voiture. C'est très dommage. Les As qui auraient pu marquer de gros points ce soir. Waouh! Quel grand prix, Féroda! Ouais. Incroyable! Franchement. Incroyable! Il y a un an que j'avais pas commenté. Et oh là 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 là! Ah, MT Julien qui font une course phénoménale. Qui part 12 et 11ème et qui sont 4ème et 5ème marche. Axel qui part 20ème, 7ème, c'est beau! Et ceux qui perdent tout, évidemment, c'est Fondaron, c'est SF Vettel et c'est Damien. Damien qui partait 3ème, me semble-t-il. Hein. Tu screen? Je screen. Ouais. Bon, ça va gueuler dans le chat. Voilà, ça va pas être content, hein. Les pilotes vont pas être vraiment pas être contents, mais il y a des raisons, hein. Je pense notamment à Strigoun qui va être très très déçu. Hein. À Strigoun, et je crois que c'est pas la. Je crois qu'il est déjà arrivé un souci en plus. Alors. Je vais regarder les grades de notre ami Marley. Marley. Comment il s'appelle sur Discord, notre ami Marley? Marley, F1CS Marley. Oh, bon, Marley. Il a le grade commentateur streamer. Alors, Marley, si tu écoutes le live, nous te ferons un honneur de venir ici pour une petite interview. Ouais, expliquer ce qui s'est passé avec ton coéquipier, comment t'as mené la course, etc. Je vais demander à ce qu'on le move une petite seconde. Je vais voir Damien qui est cloîtré. Je sais pas où, comme d'habitude. Hop, on va changer la POV du live. Hop, allez. Voilà. Hop, j'aimerais bien avoir l'interview de Marley. S'il pourrait venir. Est-ce qu'il est écho? Il est écho dans son channel. Hein. Ouais. Écoute, je vais aller demander à Calibibi de nous le move. Je reviens. Ah. Des problèmes de connexion là. Des problèmes de connexion sur Discord. C'est embêtant. Aïe aïe aïe. Je sens que je vais plus pouvoir me reconnecter. Aïe aïe aïe, non, terrible ce qui se passe, terrible. Ah, j'étais posé dans mon channel là. Aïe 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 aïe. On va attendre que ça se fait. En tout cas, course incroyable. J'espère que le commentaire vous a plu, mesdames, messieurs. J'ai pris beaucoup de plaisir à commenter cette course en compagnie de Féroda, que je vais essayer de rejoindre en vocal si le Discord veut bien fonctionner. Mais ouais, incroyable, hein. Beaucoup de retournements, beaucoup de déceptions aussi. Aïe aïe aïe, et là Marley qui est dans notre channel, mais je ne peux pas l'interviewer. C'est très tragique là, c'est moi qui ai le live, je vais redémarrer mon Discord. Excusez-moi pour le... Discord qui n'existe plus. Allô? Attendez, Discord n'existe plus sur mon ordi? Et c'est pas possible. Oh! Alors écoutez, j'en ai une belle. Discord s'est désinstallé de mon PC. Ouvrir l'emplacement du fichier. Non, je vais essayer de le redémarrer. Voilà. Je sais pas pourquoi il apparaît plus dans mes trucs. Allez, s'il vous plaît, Discord, monsieur Discord. Le Discord qui a crash pour moi. Bon. En tout cas, là-dessus, que je vais vous laisser. Je vais quand même essayer. Bon, en tout cas, je vais essayer de régler ce problème. Je vous invite à rester, à être patient pour avoir la rediffusion. Ah. Je vois que c'est un problème de connexion. Gros problème de connexion de mon côté. Je n'arrive même pas à accéder à la rétro du live. Ouais. Bon. Écoutez, merci de nous avoir suivis. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Peut-être que je vais enfin réussir à revenir.
Ah, c'est très chiant là. C'est très très énervant ce qui arrive là. Ça m'énerve beaucoup. Hop, on pourra fermer à fin 2020. Ouais, voilà, mais en voilà, incroyable. Merci à tous ceux pour regarder, hein. Et à les fin 16. Ah, mais écoute, on a rien entendu sur le live, en tout cas, ils ont entendu de ton interview parce que Discord a décidé de faire sa vie. Ah oui. Bah, déjà félicitations à toi, Marley. Bravo. Merci. C'était parfait. J'ai pas vu une seule erreur de ta part. Incroyable. Bravo. C'était chaud. Hein. Alors par contre maintenant, j'aimerais bien que tu nous commentes ce qui s'est passé avec ton coéquipier parce qu'il était dans ton vocal. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? On n'a pas bien compris sur le live, il a perdu la voiture, il ensuite l'a cassé d'un coup. Il s'est passé quoi en fait? Il était en bataille avec Frodaron, Fire Ghost, et dans le droit de gauche, ils sont accrochés, voilà, j'ai pas eu le temps de voir les images encore. Donc je dirais rien vu que je sais pas ce qui s'est passé. Et après, en revenant sur la piste, MT a un peu souviré, je pense, dans sa voiture et ça l'a sorti au PT. Ah là là. Donc, voilà. Et c'est très dommage, ouais, il faisait une putain de course, il avait fait un taf de fou. Il avait... Franchement, je pense sans lui, je sais pas si je l'ai gagné celle-là parce que. Ouais, il a réussi à créer le gap là pour la fin de course et vraiment, ouais, vraiment désolé pour lui. Il faisait une putain de course. Très déçu pour Falco, mais en tout cas, très content pour toi. Belle course. Ah, merci. Bravo, tu l'as mérité. Et puis on te souhaite de passer une agréable soirée en pensant fièrement à ta victoire. Merci beaucoup. On s'est beaucoup donné aux commentaires là, tu te feras un plaisir d'écouter. Ah ouais, j'ai hâte de voir ça. Allez, on te souhaite une bonne soirée, Marley. Bon, merci les gars, à plus. Allez, ciao. Eh ben écoutez, c'est incroyable course. Ouais, voilà, c'était un plaisir. Pas forcément les comportements qu'on aurait voulu voir. Ouais. Beaucoup de déceptions sont suprêmes, hein, personnellement. Ouais, beaucoup, ouais, il va falloir que j'aille lui parler, c'est les pilotes Ferrari lui aussi, donc il va falloir qu'on parle, pas forcément. Enfin, mettre les choses au clair entre les écuries. Les sanctions, c'est la FIA qui s'en charge. Il est vrai que c'est un pilote Ferrari, donc c'est un de tes pilotes. Est-ce que t'es manager d'équipe, Féroda? Moi, t'es manager d'équipe, bon, il va falloir que tu t'en occupes aussi, je pense. Alors, mettre les points sur les i. Je suis peut-être manager d'équipe. J'ai pas demandé à l'être parce que j'ai pas le temps de m'en occuper en fait de mon équipe. non, c'est méchant, mais j'ai pas le temps le soir. Ça se comprend avec le boulot, etc. C'est ça, exactement. Donc voilà, je peux pas créer une cohésion comme j'ai eu chez Red Bull l'année dernière. C'est dommage, j'aurais bien qui voulu. Qui était très bonne. Mais voilà, j'y étais. Qu'on en parle. Ouais, je sais, ouais. J'y étais, ouais. Eh ben écoute, je vois les remerciements et les compliments sur le commentaire de ce soir à notre égard et à ceux qui ont commenté sur YouTube, à Kali et Necro. Ouais. Merci beaucoup à vous. Bien amusé. Ah, je me suis bien amusé aussi. Hein. C'était très agréable de commenter avec toi. Et puis, ouais, je pense que c'est une bonne soirée. Ouais, et je pense qu'il est temps de dire aussi bonne soirée à nos téléspectateurs. C'est ça, exactement. Passez une très bonne soirée, bonne chance pour votre semaine de cours, votre semaine de boulot. Et puis, on vous dit à très bientôt pour les courses prochaines qui seront, je vais vous le réafficher, les courses de Ligue A et de Ligue E. Dimanche 27 septembre à 20h30, vous nous retrouverez sur live, sur Twitch et sur YouTube. On vous entend nombreux, à très bientôt. Ciao. Ciao, salut à tous.